Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien chez moi. Triple OTEP de Babou Victoire, comment tu vas depuis ta position? Partage la vidéo, s'il te plaît. Partage, 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 partage. Mets les cœurs, mets les pouces. Parce que là, ils ont mis maintenant leur algorithme sur ma page pour essayer de filtrer mes vidéos au maximum. Ils peuvent pas bloquer ma page, donc ils ont mis des algorithmes pour éviter le maximum de personnes qui puissent regarder en fait. Donc, on va essayer de faire comme on peut, mais on sait que après ça, les gens repartagent et puis bon, il y a les gens qui regardent. Donc, il faut partager, mettre les cœurs et puis on va avancer tranquillement, doucement. On attend Maître Zoku, mon frère de tous les jours. On attend Maître Zoku. Merci à ceux qui se connectent et qui partagent. On est obligé de faire comme on peut, comme on dit. Mais l'essentiel, c'est que le message passe. Voilà. Donc, juste quelques minutes, le temps que les gens se connectent aussi. On va essayer d'être un peu patient. Et puis, on va parler de certaines choses. On va essayer d'ouvrir les yeux de certaines personnes qui sont encore en train de rêver. Est-ce que le son est correct? Est-ce qu'on m'entend bien, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un peut m'écrire en commentaire si le son est correct? Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce que le son passe? Est-ce que c'est correct? Parce que je ne vois pas de commentaire actuellement. À part le commentaire de Debabou Victoire, je ne vois aucun commentaire. Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce que le son est correct? On attend Zoku, Maître Zoku, Maître Zoku, où es-tu? Où es-tu? Oui, c'est bon, ok, d'accord. J'attends Maître Zoku, je pense qu'il est en train d'essayer de se connecter. Parce que je l'ai eu au téléphone juste une minute avant que je commence le live. Et Zena de Gbagbo, comment tu vas? T'as de Gbagbo partout comme ça sur le live là aujourd'hui. Zena de Gbagbo Victoire. On attend tous les autres Gbagbo là. Et puis, ouais, la moisson est bonne. Comment ça va? On attend Maître Zoku. Partagez la vidéo s'il vous plaît. De Gbagbo, tu as partagé la vidéo. Je vois pas la virgule qui me dit que tu as partagé. Hein. Tu sais que Facebook est Kpakpato. Quand vous partagez pas, l'on voit. C'est important. Mais putain, oh là là, c'est pas possible ça. Qu'est-ce qui se passe avec Maître Zoku? Qu'est-ce qui se passe avec Maître Zoku? Mais Facebook ne me dit pas que tu as partagé en fait cette fois-ci. D'habitude, quand les gens partagent, il y a une virgule en haut là, en haut du nom, pour dire que c'est partagé. Mais là, ça me dit rien du tout. Donc, je ne sais pas si c'est les algorithmes de Facebook là qui ne veulent pas aujourd'hui qu'on parle. Là, bah, il faut aussi. On attend Maître Zoku, il va se connecter peut-être avec un autre compte. Maître Zoku, attends, je vais essayer de taper son nom. Ah, je suis grave restreint, ouais. Ah oui, ça, ils m'ont restreint, même ils ont fermé, bouclé, jeté la clé par la fenêtre. Mais grâce à vous, quand vous partagez, ben, la vidéo s'en va quand même. Parce que des fois, comme ça, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on est 3, 4, 5, d'après ce que le compteur dit. Et puis 2 heures après, quand tu reviens, il y a 1500 personnes qui ont regardé la vidéo. Donc ça, c'est pas le nombre qui va nous influencer. Parce que la plupart du temps, c'est en fonction du nombre que les gens, des fois, ils sont découragés. Ah, personne ne me regarde, donc je fais pas de vidéo. Non, c'est pas ça. Faut jamais se décourager quand on est dans un combat. Kolbouskan, comment tu vas, la maman? Bisous à toi depuis ta position. Merci d'être là aujourd'hui. J'espère que tu as partagé la vidéo, que tu as mis les cœurs, les pouces, les pieds. Merci. Merci, merci. Ah, ça commence à remonter, là. Et les cœurs, là, c'est un peu timide, hein, les gars. Boostez les cœurs. Parce que des fois, quand vous mettez beaucoup de cœurs, ça débloque les algorithmes, en fait. Ça aussi, j'avais oublié de vous dire ça. Quand vous pompez, pompez, pompez les cœurs, là, ça débloque les algorithmes. Donc,
Il faut essayer de décourager justement ceux qui veulent nous bloquer là. Non, oulala, pas découragé, hein. Du tout, du tout, du tout, du tout. Tranquille. Là, actuellement, je n'ai pas commencé encore à parler parce qu'on attend Maître Zoku. Voilà, j'espère qu'il va se connecter avec son autre compte. Je ne sais pas pourquoi ça ne passe pas. Il n'y a pas quelqu'un aussi qui est là qui peut l'appeler pour voir ce qui se passe. Ah là là là, c'est pas évident. Mais on va y arriver, on va y arriver, vous inquiétez pas. Alors, tout, tout, tout. Ce qu'on va faire, patientez juste 30 secondes. Je vais essayer quelque chose et puis je reviens tout de suite. Ça va se couper là. Attendez. Mais ne sortez pas du live, hein, restez là. Okay. Merci. Alors, Pompée, 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 Pompée à Pompée. Ils ont même bloqué les cœurs. Ah, Facebook, il faut rire, quoi. Ah là, les pauvres Atlantistes. Vous avez des problèmes, hein? Vous créez vous-même vos réseaux sociaux pour qu'on puisse s'exprimer dessus. Et quand vous voyez maintenant que ça commence à aller dans votre, à votre déf en votre défaveur, ben vous essayez de bloquer les gens autrement. Ben c'est bloc. On va parler quand même. Alors, j'ai pu avoir mon frère. Lui aussi, il a un problème sur son téléphone. Donc, il essaie de trouver une solution rapidement dans les 1 minute, 2 minutes qui viennent là. Et puis, on va commencer à parler. Donc, merci. Il y a des gens qui commencent à arriver. Partagez la vidéo. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on va parler de certaines choses. On va parler aux gens qui rêvent encore, qui imaginent encore que on va retourner en arrière, dans les temps jadis, dans les temps où l'Africain était inconscient, dans les temps où l'Africain était... Voilà. Que maintenant, en juste quelques années, les choses ont changé. Voilà. Claire Richemont, comment ça va la famille? Big up à toi, puis ta position. Alors, on attend le frère Zoku Malagi qui vient d'arriver. Parfait. Bonjour, mon frère. Oui, bonjour. Comment tu Vraiment désolé. vas? Mon appareil m'a lâché, donc j'ai dû changer d'appareil. D'accord. Ok. Donc, allons-y. En même temps, c'est mieux. Tout près n'est pas Oui, loin. donc aujourd'hui, on va aborder à peu près deux sujets. Premièrement, on va parler du nouveau profil que doivent avoir nos chefs d'État en Afrique. Ensuite, on va parler de la coopération, du partenariat avec l'Occident, qui est maintenant un partenariat dépassé. Vu les évolutions, ce partenariat est dépassé. Donc, dans un premier temps, concernant le nouveau profil que doivent avoir les chefs d'État, vous voyez que, après 60 ans d'indépendance, on nous a habitués à un certain genre de personnalité politique, les médias, nos médias locaux, accompagnés en cela par les médias occidentaux, ont eu l'habitude de vanter un certain profil de personnage pour qu'ils puissent accéder à la tête de nos États. Des gens qui ont un certain parcours intellectuel, un certain CV, des gens qui ont eu un certain niveau de responsabilité à la tête de grandes structures, soit bancaires, soit des multinationales. Et généralement, on a eu de l'admiration pour ces gens-là qui ont ce genre de parcours, soit des diplômes universitaires, soit de hautes responsabilités exercées au niveau des institutions internationales, ou bien des structures bancaires internationales, ou bien à la tête de grandes entreprises de multinationales, ou bien des gens qui ont eu des fonctions élevées, soit dans des gouvernements étrangers, soit dans des structures, soit des intellectuels qui ont produit des livres. On a eu un faible pour ce genre de profil-là. Aujourd'hui, l'Afrique est en mutation. Il y a une génération qui naît avec de nouvelles exigences. Donc, mon frère Kouassi et moi, on va essayer de voir, selon nous, désormais, quel genre de profil il faut à la tête de nos pays. Et en deuxième partie, on va parler du partenariat avec l'Occident. Parce que
Depuis l'indépendance jusqu'à récemment, en 2020, on est toujours resté dans le partenariat, sous ou bien dans le partenariat avec la France pour les pays francophones, ou alors dans le partenariat avec l'Occident, avec la Grande-Bretagne pour les pays anglophones. On est toujours resté à l'intérieur de ce partenariat-là. Donc, dans la deuxième partie, on va voir, est-ce que ça vaut vraiment la peine de continuer dans ce partenariat ou bien il faut rompre avec ce partenariat. Est-ce que ce partenariat peut encore nous apporter quelque chose? Parce que c'est une question d'actualité, parce que 2025 approche, on nous vend encore des profils de gens qu'on nous demande de soutenir parce qu'ils ont des connexions à l'extérieur, parce qu'ils sont introduits dans les hautes sphères de décision internationale, parce qu'ils ont des contacts avec l'oligarchie. Donc, on va voir, est-ce que ce partenariat, cette connexion avec des grands cercles occidentaux, est-ce que c'est encore valable? Est-ce que ça peut encore nous apporter quelque chose? Influencer. Voilà globalement ce dont on va parler. Donc, je te laisse la parole Okay. pour, dans un premier temps, parler du profil des chefs d'État qu'on recherche désormais à la tête de nos États. Voilà. Ah, ok. Merci. Merci, mon frère Zoku Malagi. Chers Ivoiriens, Ivoiriennes, je suis Bois Kwassi Asiefix. C'est mon vrai nom. C'est mon visage. Je ne me cache pas. Pour ceux qui me connaissent depuis des années, je suis dans le combat de la dignité et de la libération totale et définitive de l'Afrique et des Africains. Et aujourd'hui, je viens encore essayer de vous apporter mes pensées, parce que vous avez vu le titre, c'est ma pensée politique par rapport au présent immédiat de l'Afrique et au futur des Africains. J'ai l'habitude de dire que j'ai pas fait Sciences Po, j'ai pas fait les grandes études politiques et tout ça, mais en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que je suis renseigné et enseigné par quelqu'un qui a fait justement Sciences Po et qui était parmi les majors de l'école de Sciences Po et qui, dans l'ombre, me donne de sages conseils et m'explique beaucoup de choses afin que ma vision soit plus aiguë par rapport aux problèmes que nous rencontrons en Afrique, surtout sur le plan politique, sur le plan géopolitique, sur le plan géostratégique, et surtout par rapport aux événements actuels en fonction de l'évolution du monde et du temps dans lequel nous sommes aujourd'hui. Ce qui me permet de faire des fois des analyses que les gens appellent visionnaires et tout ça. Non, 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 c'est simplement une lecture politique par rapport aux événements présents qui indiquent, qui nous montrent des indicateurs qui peuvent nous dire que dans tant de temps, ou bien la tendance qui est en train d'évoluer s'en va vers telle direction ou bien telle direction. Voilà pourquoi je ne dirai plus maintenant que je n'ai pas fait Sciences Po. Je suis en train de faire Sciences Po actuellement en freelance, comme on dit, avec quelqu'un qui était parmi les majors des écoles de Sciences Po. Voilà. Alors, en parlant des nouveaux profils de chefs d'État en Afrique, je vais commencer par vous donner des exemples très, très précis et palpables. Nous avons au Sénégal M. Bassirou Faye, c'est ça, je crois, avec M. Sonko, qui sont des nouveaux profils de jeunes qui ont gagné des élections et qui ont une vision politique différente de celle que les Senghor nous ont servi à l'époque avec les Abdou Diouf et tout ça. Nous avons au Mali des jeunes qui ont pris les responsabilités et qui ont pris par la force les rênes de la gouvernance de leur pays, tel que Monsieur Assimi Goïta, le président Assimi Goïta. Nous avons au Burkina Faso, bis repetita, notre frère Ibé Traoré, qui lui aussi
est un nouveau profil différent de ce que nous avons l'habitude de voir. Nous avons au Niger un nouveau président qui a fait la même chose aussi par un coup d'État, mais qui est humainement différent par rapport à Bazoum qui était là à l'époque. Et je profite parce que je vois un commentaire de Babo Victoire qui parle de Bachirou et son collègue qui sont des roublards. Non, et franchement, franchement, sincèrement, je voudrais vous dire de faire très attention et de ne pas faire des jugements hâtifs par rapport à nos frères du Sénégal. Ça, c'est important que je fasse cette petite parenthèse rapide parce que ne vous fiez pas à ce que les Franklin Yamsi disent ou bien les autres disent par rapport à tous les sujets. Ils peuvent avoir raison sur beaucoup de sujets, mais en ce qui concerne le Sénégal, en ce qui concerne nos deux frères qui ont pris le pouvoir au Sénégal, la chose est totalement différente. Ce sont deux personnes qui ont pris le pouvoir par les urnes et qui sont encerclées par une armée, par des militaires, des officiers et tous des gens, des politiciens véreux qui étaient là depuis longtemps, depuis les fameuses indépendances et qui ont une façon de penser qui est différente. Si vous voyez ces deux jeunes-là venir se mettre au pouvoir et commencer déjà à tout changer, tout chambouler, on leur donne pas 2 mois pour qu'ils soient abattus ou bien qu'il y ait un coup d'État pour qu'on les enlève. Ce n'est pas la même chose que les autres qui ont pris le pouvoir par les armes et qui sont entourés par des hommes qui sont vraiment prêts à aller combattre pour les défendre. Les deux là, ils sont obligés de faire doucement, ils sont obligés de blé-blé et ils sont obligés de changer les institutions de façon démocratique, de façon stratégique, afin que le pouvoir vraiment leur revienne dans les mains avant de prendre les grandes décisions. Voilà pourquoi ça ne va pas aussi vite au Sénégal. Et les gens sont en train de dire que oui, les deux, ils nous ont blagués, ils ont menti, ils ont dit qu'ils voulaient la rupture, mais il ne faut pas la rupture maintenant tout de suite. Et comme les Maliens et les Burkinabés et les autres ont fait dans l'AES, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même cas de figure. Donc il faut être très prudent par rapport à ce qu'on dit sur nos frères qui ont la bonne volonté de changer les choses, parce que des fois, il faut avoir confiance en l'homme. Il faut avoir confiance en l'homme. Et aujourd'hui, en fonction de la géopolitique et la géostratégie mondiale, la façon dont le monde est en train de partir, ça serait une absurdité que ces deux-là, après toutes les souffrances qu'ils ont endurées pour pouvoir. Ils n'étaient pas obligés de se battre avec Macky Sall, hein, ils pouvaient se mettre avec lui et faire la même chose. Donc, évitez, s'il vous plaît, de faire des jugements hâtifs sur nos frères du Sénégal. Sincèrement, ça, là, il faut éviter. Il faut être beaucoup plus. Il faut être moins émotionnel sur ce qui se passe et regarder vraiment comment il se passe. Ils viennent de dissoudre l'Assemblée nationale et ils vont refaire des élections législatives afin d'avoir le pouvoir au niveau de l'Assemblée nationale. Et c'est à partir des lois de l'Assemblée nationale qu'ils pourront changer les choses dans le pays. Ils ne peuvent pas changer les choses comme ça. Vous comprenez là? Oui, on regarde, mais il faut éviter de se décourager parce que c'est ça notre spécialité, nous les Africains. Et je vais chuter sur ça pour rentrer dans le sujet d'aujourd'hui. Parce que on a tendance, dès que quelqu'un sort la tête de l'eau, paf, on lui tape dessus parce qu'on n'a pas confiance, parce que ceci, cela, pour X ou Z raisons, on invente toujours, mais on dit des choses bizarres alors qu'on a besoin d'être solidaires. Nous avons vraiment besoin d'être ensemble. Nous avons vraiment besoin d'être ensemble ferme. Nous avons vraiment besoin de marcher ensemble, de nous tenir. Comme ça, de nous serrer les coudes. On a vraiment besoin de solidarité, d'être accompagné. Lilou, on a vraiment besoin de ça, ferme. Donc, s'il vous plaît, évitons de tomber dans les amalgames, évitons de suivre les je sais pas, les commentaires bizarres ou bien accusateurs, n'importe comment, par rapport à tout ce qui se passe au Sénégal. C'est complètement différent de ce qui se passe dans la. Et même si les Sénégalais, les deux, la veulent rentrer dans l'AES aujourd'hui, ils ne peuvent pas le faire sans qu'il y ait des lois qui les accompagnent sur le plan régalien, afin que vraiment les choses se passent en bonne et due forme. Ils n'ont pas pris le pouvoir par la force, ils ont pris le pouvoir avec la volonté du peuple. Donc, ils ont besoin de l'assentiment du peuple pour pouvoir avoir des lois qui sont écrites, signées et respectées, afin que vraiment ils soient dans le cadre légal. Donc, c'est complètement différent. Évitons les décisions hâtives et tout ça. Évitons de tirer sur nos frères là-bas pour qu'ils fassent le boulot
correctement et qui nous rejoignent finalement dans l'AES, mais qui nous rejoignent dans la, comment ça, dans la souveraineté totale de leur pays. C'est très important parce qu'au Sénégal, il y a la PCAO, il y a toutes ces infrastructures que la France a mises en Afrique pour contrôler toute l'Afrique. Donc, les gars, ils sont vraiment dans une position très délicate. Donc, faisons attention et sachons raison garder, s'il vous plaît. OK, c'était la petite parenthèse parce qu'il fallait que vraiment on soit clair dessus définitivement. J'espère qu'on s'est compris, hein, que tout se passe bien. OK. Donc, je reviens sur le profil des nouveaux gouvernants. J'ai cité Bassirou et Sonko. J'ai cité nos frères de l'AES qui ont. Aucun d'eux ne ressemble à Houphouët Boigny. Aucun d'entre eux ne ressemble à Alassane Ouattara. Aucun d'entre eux ne ressemble à Gbagbo Laurent. Aucun d'entre eux ne ressemble à Kérékou. Aucun d'entre eux ne ressemble à tous ces chefs d'État que nous avons eu l'habitude de voir en Afrique. Ce sont de nouveaux profils, des jeunes qui ont pour soutien principal la jeunesse dans la population et la population en général. Pourquoi? Parce que dans leur discours, premièrement, ce sont des gens qui sont courageux, qui n'ont pas peur de dire vraiment ce qu'ils pensent, qui n'ont pas peur de dire que quand ils auront le pouvoir, ils vont travailler pour les populations de façon directe. J'ai pas dit de façon indirecte en cherchant des investisseurs à gauche, à droite. Non, ils vont faire en sorte que les populations puissent ressentir vraiment que des gens travaillent à leur avantage. Mais qu'est-ce qui se passe, par exemple? Ils vont dire oui, au Mali, on ne voit pas ça comme ça, au Burkina, mais n'oubliez pas que il y a des gens tapis dans l'ombre qui ne veulent absolument pas que ces pays-là réussissent la transition, qui réussissent leur développement. Ah non, les gars ne veulent pas. Les gars, ils mettent des moyens à disposition de personnes, de mercenaires qu'on appelle terroristes, pour essayer de créer la chienlit, pour essayer de créer l'insécurité de telle sorte que le développement social, le développement dont les gens ont besoin, ne puisse pas se faire ou bien soit ralenti au maximum, afin que la population perde patience et dise que oui, les gars qui sont venus, en fait, c'est des vauriens, allons rechercher nos anciens gars là, avec eux au moins, on avait la paix. Voilà ce que les gens, les grandes puissances sont enfin les grandes puissances en griffe, sont en train d'essayer de faire. Et c'est là qu'ils dépensent de l'argent avec les France 24, les TV5 et toutes ces chaînes de télévision-là qui véhiculent des messages toujours contraires à l'évolution de ce pays. Est-ce que vous avez vu une fois TV5, France 24, RFI parler en bien de l'AES? Non, ça n'existe même pas. Parce qu'ils ne veulent pas que ça arrive. Ils ne parlent pas du Sénégal. Pourquoi? Parce que le Sénégal, c'est une situation différente. Et s'il faut faire passer Bassirou Faye et puis Sonko pour des gens un peu bizarres, des gens en qui on ne peut pas faire confiance, ça les arrange. Parce que tout ce qui contribue à la division, tout ce qui contribue au salissement de l'image de ces jeunes, de nouveaux, qui veulent vraiment changer les choses, si ça peut les salir et qu'on les chasse du pouvoir, eh bien ça arrange automatiquement la France. Les gars, analysez, réfléchissez bien. Les gars ne veulent pas, mais comme ils n'ont pas fait le coup d'État, qu'ils ont pris le pouvoir par élection, ben c'est beaucoup plus délicat de tirer sur eux. Parce que eux, on ne peut pas leur dire que c'est des poutistes, comme ils disent, en griffe. Donc, ils font façon, comme ils font toujours l'hypocrisie, la manière bizarre. En même temps, ils ont des intérêts là-bas qui veulent protéger des sociétés qui sont là-bas. La BCAO, qui est le garant de la monnaie CFA. Donc, ils soufflent en même temps le chaud, le froid. Ils font comme la souris qui mord puis qui souffle. Ils essaient de voir, parce que si jamais ils s'en vont dans une direction qui est un peu trop, ils s'ingèrent trop dans la politique du Sénégal, à dire, ah, voilà la France encore. Ils viennent s'ingérer dans les histoires de trucs, on va les voir. Donc, comme ils veulent aller en sous-marin maintenant parce que leur nom est caté, donc ils font avec, vous voyez, hein, en bas, façon. Donc, si Franck Yamsi tape sur eux, c'est parfait, c'est très bon, parce que la majorité des Africains, des jeunes qui nous regardent, ils vont dire comme Debabo Victoire a dit tout à l'heure, ah, ces deux gars-là, vraiment, ils sont bizarres. C'est ce que les gars veulent. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne parce qu'il y a beaucoup de jeunes ivoiriens aujourd'hui, de jeunes africains, de jeunes panafricains en griffe.
tire à boulets rouges sur leurs propres frères africains. Parce que ça arrange le colon qui veut que ce soit comme ça. Parce que il y a quelqu'un qui a fait une erreur dans son analyse, qui croit que ces deux jeunes-là sont des traîtres qui travaillent au service du colon, alors que ce n'est pas vrai. Je suis désolé. Pour une fois, M. Niamsi se trompe. Nathalie Yam se trompe. D'ailleurs, même si vous écoutez même ce que Nathalie Yam aujourd'hui, elle parle plus trop du Sénégal. Les gens ont commencé à voir les choses autrement. Les gars se sont tués ce coup-là, je le dis aujourd'hui, et c'est moi qui le dis clairement. Monsieur Franck Niamsi et Nathalie Yam se sont trompés lourdement sur nos frères du Sénégal. Ils se sont trompés, ils ont trompé des millions d'Africains qui les écoutent. Et ça, c'est pas bien. Il faut qu'ils se ressaisissent et il faut qu'ils fassent des vidéos pour réexpliquer les choses complètement, mais qu'ils refassent vraiment leur analyse et comprennent que la situation est complètement différente entre celle du Sénégal qui a changé le pouvoir par les urnes et celle de l'AES qui a changé le pouvoir par la force. C'est complètement différent. C'est nuancé. Voilà ce que je peux dire pour le moment par rapport à ça. Mais aujourd'hui, les peuples africains, qu'est-ce qui fait que les chefs d'État sont obligés de changer de profil? C'est que la jeunesse africaine, les populations africaines ont changé. Vous avez accès maintenant à l'Internet et aux réseaux sociaux et du moins à l'information par rapport au téléphone. Chacun dans son téléphone a sa petite télévision, à son mail. Chacun dans son téléphone a l'information à l'instant T quand il y a un événement qui se passe dans le monde. Automatiquement, il y a quelqu'un qui relaie et tu vois l'information. Déjà, rien que ça, là, depuis les 10 années où les gens commençaient vraiment à avoir accès aux réseaux sociaux et tout ça, et aux informations par rapport aux chaînes de télévision étrangères et aux journalistes même indépendants et tout ça, les gars, leur conscience aussi a changé. Par exemple, l'Ivoirien de 2024, je n'ai pas dit ceux qui sont toujours, même ceux qui sont sur les bérets, même ceux qui sont sur les bérets de tous les jours qui s'intéressent aux bérets, là. Ils ont aussi l'information. Ils regardent, ils voient. Bon, pour eux, ce n'est pas important, mais au moins, ils ont lu, ils ont entendu quelque chose. Et la majorité de la jeunesse ivoirienne, en parlant que de la Côte d'Ivoire, sait que la Côte d'Ivoire n'est pas pauvre. Ils savent eux tous que la Côte d'Ivoire n'est pas pauvre. Ils savent qu'il y a des richesses en Côte d'Ivoire que, si elles sont utilisées de façon parcimonieuse, elles sont utilisées de façon claire, propre et transparente. Les revenus de ces matières premières, une fois transformés sur nos territoires, peuvent aider à contribuer au développement du pays. Ça, là, la majorité même des jeunes, conscients comme inconscients, ils ont une idée de ça. Donc, ça veut dire que par rapport à 1975, où les Ivoiriens ne savaient pas s'il y a l'or en Côte d'Ivoire, s'il y a diamant, s'il y a le prix même du café, cacao, toutes ces richesses que nous avons là. La majorité des gens n'y pensaient même pas. Parce qu'au temps du feu de Boigny, tout était à l'aise, on était à l'aise, tout était bien. Ma chère, tu ne pensais pas à la politique, on ne réfléchissait pas à ces choses-là. Parce que les gens mangeaient à leur faim, les gens se soignaient quand même, les choses allaient bien. Parce qu'il y avait un certain développement qui avançait et tout ça. Mais aujourd'hui, en 2024, les choses ont changé. Les gens veulent savoir où l'argent s'en va. Les gens, quand ils vont à l'hôpital et qu'ils ne sont pas soignés, qui meurent devant les hôpitaux, ou bien quand ils ont des accidents, il n'y a pas d'ambulance, ou bien les routes à l'intérieur du pays, je n'ai pas dit Abidjan seulement, hein, c'est joli là, je parle de l'intérieur du pays où les gars ne peuvent pas circuler, une route où les gens peuvent faire 1h30, 2h30 de trajet, les gars font 8h, 9h, 10h, vous voyez, tout ce genre de choses, et ça c'est dans tout l'intérieur du pays, et ben les gens se posent des questions. Quand les gars voient qu'ils travaillent dans leur champ, les gars réfléchissent, ils travaillent, ils bossent. Ils font tout leur possible pour faire sortir de la terre l'or, comme le café, le cacao, toutes ces choses-là, l'anacarde, toutes ces choses qui peuvent être des richesses éventuellement si c'est bien vendu à des prix raisonnables. Ils voient que malgré tout ça, malgré leurs efforts, ils ne s'en sortent pas. Ben, les gars se posent des questions. Ils se demandent qu'est-ce que le gouvernement fait pour eux. Quand ils regardent maintenant le train de vie de ceux qui gouvernent, qui sont des milliardaires pour la plupart, des voleurs, la gabegie, la corruption, toutes ces choses-là, les gens aujourd'hui, ils ont accès à l'information. Ils se posent des questions. Parce que le profil de ceux qui dirigent le pays jusqu'à aujourd'hui, c'est le même profil que depuis Houphouët Boigny jusqu'à maintenant, où on nous dit non, c'est des gars, ce sont des supra-savants,
des sachants, des gens qui sont en contact avec tout le quota international, des gens qui sont connus partout dans le monde, qui ont de gros carnets d'adresses. Impossible d'ajouter. Il faut sortir pour revenir, mon frère. Parce qu'ils ont commencé à bloquer encore le truc là. Ou bien écrire un commentaire. Je vais essayer de voir si je peux t'ajouter. Mettre au coup. Vous voyez, non? Les gens maintenant, le profil qu'on a, oui, il y a beaucoup de gens, mais eux tous, par exemple, ils parlent du fouettiste. Le fouettisme. Ouais, Oufo Boigny. Oufo Boigny, c'est notre papa. Oufo Boigny, c'est lui notre modèle. Oufo Boigny, on est en 2024. Oufo Boigny a fait ce qu'il a pu en 1960, jusqu'à dans les années 80. Oufo Boigny a été efficace dans sa politique parce que il a su créer des richesses avec ce que nous avions et il a su aussi former une élite ivoirienne avec les écoles qu'il a créées. Il a fait son job, il a fait son boulot. Quand les gens ont vu maintenant que ça commençait à donner dans les années 80, ils ont créé justement, comment je vais dire ça, une crise soi-disant mondiale qui était arrimée sur la crise pétrolière des années 80, qui n'avait rien à voir avec l'Afrique. C'était entre eux là-bas en Europe. Là. Je me rappelle parce que moi j'étais encore en France à cette époque où on voyait à la télévision en France on n'a pas de pétrole mais on a des idées. Il y avait des publicités qui passaient à l'époque parce qu'il y avait une crise pétrolière et la France avait commencé à faire des pubs pour rassurer le peuple français que oui, bon, il y a un problème de pétrole, il y a un problème de pétrole, mais nous, on a les idées. Donc par rapport à ça, on peut s'en sortir quand même. Donc ne vous inquiétez pas, même si le pétrole coûte cher, tout ça là. On va essayer de faire les choses autrement. Et ils ont même essayé, pour vous dire encore, de remplacer le café. Le café. Parce qu'ils dépendaient aussi du café de la Côte d'Ivoire. Pour la chicorée, une plante qu'on appelle la chicorée. Vous pouvez aller taper sur Google si vous ne savez pas ce que c'est. La chicorée, c'est une plante qui ressemble un peu à des herbes là, qui poussent, mais qui a un goût un peu amer comme le café. Ils ont essayé, en fait, si ça réussissait là, et que ça remplaçait le café, ils allaient damer sur notre café au calme. Ils allaient damer sur notre café et puis faire pousser la chicorée, puis utiliser la chicorée comme remplaçant du café. Parce que les gars, en fait, ce qu'ils n'ont pas là, ils essaient de faire chez eux hein, pour voir s'ils peuvent avoir. Mais comme ça ne marche pas et que ça dépend forcément de chez nous, donc c'est là qu'ils sont obligés maintenant de revenir chez nous. Donc ils ont essayé pendant toute cette période-là de faire d'autres choses pour trouver des palliatifs et pour être indépendants sur le plan des matières telles que le café, le cacao, toutes ces choses-là, mais ça n'a jamais marché. Ils étaient obligés d'acheter chez nous. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Le café, le cacao et tout ça, c'était la bourse de Londres, à la bourse de Londres, en griffe, mais de connivence avec la France, qui donnait le prix du café et du cacao. Et ils ont commencé à baisser les prix à l'époque où la Côte d'Ivoire commençait à se développer comme la Corée. Il faut pas que les Africains se développent. Ça, c'est dans leur tête. S'ils se développent, ils n'auront plus besoin de nous. Et quelque part aussi, on ne pourra plus faire ce qu'on veut avec eux et tout ça, parce que dans leur tête, dans leur paradigme, depuis l'esclavage jusqu'à la colonisation, jusqu'à la domination, jusqu'à toutes ces choses-là, l'Africain est un sous-homme. On n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Dans leur paradigme, dans leur tête, l'Africain, c'est un sous-homme. L'homme noir, c'est pas comme eux, quoi. Donc, quelque part, on peut pas, dans leur, ils ne peuvent pas nous laisser. Être tranquille, nous développer tranquillement, puis atteindre leur niveau, c'est pas possible, ils veulent pas. Ça là, monter, descendre, c'est comme ça, ils sont faits, c'est comme ça. Maintenant, les autres, la population qui ne savent pas, et tout ça, bon, eux, ils peuvent vivre métissés, machin, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais au niveau des gouvernants, là, les gens ne peuvent pas concevoir ça. Vous avez déjà vu une première dame européenne noire? Je vous pose la question. Ah, ok, Guy Mignon, il y a quelqu'un au moins là qui peut faire un témoignage. Est-ce que vous avez vu une première dame en Europe noire? Comme nous en Afrique, là. On a des premières dames blanches partout, à gauche, à droite. Nous, on est humains. Hein. Nous, on peut faire tout. C'est pas, il n'y a pas de problème. Mais chez eux, là-bas, qui sont démocrates, qui sont les plus humains, qui nous apportent le développement, qui nous apportent la civilisation, eux, par contre, ça, là. Ça n'existe pas chez eux. Hein. Ils n'acceptent pas. Vous avez déjà vu ça? Ça n'existe pas. Mais c'est eux qui sont comment on dit ça? C'est eux qui sont
Les gens civilisés, c'est eux qui sont les gens libres, les gens qui acceptent tout, qui sont trucs, mariage pour tous, toutes les choses comme ça, là. Mais une première dame noire ou bien un président noir dans un pays européen, vous avez déjà vu ça? Jamais. Ou bien un premier ministre, même. Ça n'existe pas. Les gars, ça, là, c'est même présentateur de télévision, c'est un problème. Avec l'histoire de Harry Roselmack sur TF1, l'anti. Harry Roselmack qui a présenté le 20h sur TF1, ça a été un tollé en France. Les gens ont... Ça a été un tollé. Pourquoi un noir fait le journal du 20h? Vous avez vu à quel point les gars dans leur tête, ils sont encore rétrogrades à ce niveau-là? Et c'est nous, les Africains, on doit accepter toujours tout ça. On doit dire non, c'est pas grave. Non, les gars, c'est grave. Tout ça, maintenant, aujourd'hui, c'est terminé. Une autre génération, tout ça, c'est fini. Il y a... On n'accepte plus foutaise, c'est terminé. Donc, les nouveaux chefs d'État africains, les nouveaux profils de ceux qui veulent gouverner demain, là. Nous, on vous parle aujourd'hui. Sincèrement, quoi. On vous parle avec le cœur, on vous prévient, on vous dit. Si c'est pour venir nous resservir de loufouettisme, les mêmes choses qu'avant, c'est vous êtes toujours les pacifiques, c'est vous qui êtes toujours les gens qui connaissait tout le monde dans le monde, qui avait des carnets d'adresses là. Je vous assure, c'est bon. C'est blanc. C'est blanc de chez blanc de chez blanc. Vous vous fatiguez pour rien. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Alors, Oudra dit, avant la dissolution de l'Assemblée nationale, le discours était-il dans le sens de soutenir l'AES? Ah ouais, Ouédraogo. Faut bien m'écouter, s'il te plaît. L'AES, c'est des gens qui ont pris le pouvoir par des armes. Peut-être que tu viens d'arriver, c'est pour ça. Parce que j'ai expliqué ça tout à l'heure. L'AES, c'est des gens qui ont pris le pouvoir par des armes. Quand Assimi Goïta dort dans sa chambre, devant sa chambre, c'est des gars qui sont prêts à mourir pour lui, qui sont devant sa chambre. Autour de son palais, là, c'est des gars qui sont prêts à mourir pour lui, qui sont là. Autour du camp même, c'est des gars qui... Vous savez que tous les rideaux de sécurité, là, c'est des gars sûrs qui sont calés là. C'est pareil pour Ibrahim Traoré et c'est pareil pour Tchiani, le général Tchiani. Mais quant à nos frères Bachirou et puis Sonko, l'armée qui les surveille, là, c'est des gars depuis 1960, là, de génération en génération, ce sont des gars qui sont affiliés à Saint-Cyr, qui sont sous les ordres des commandants français. C'est des gars, on appelle pas. Les gars, ils peuvent faire quelque chose et puis c'est terminé pour nos deux jeunes. C'est fini. À Bana. On ne peut rien faire pour eux. Ils vont venir dire que non. Ils se sont levés. Ils ont changé les trucs du Sénégal. Ils ont mis le pays hors de sécurité, dans une insécurité, avec leur discours de rupture et tout ça. Nous, on n'était pas d'accord. Vous vous souvenez de ce que Compaoré a dit sur Sankara? Les gars, c'est facile, hein? Du jour au lendemain, ils ont eu un prétexte. Et puis ils ont buté les gars. Et puis ça ne va plus quelque part. Les gars ont un nouveau coup d'État. Et puis ça ne va pas quelque part. Macron dit oui, vraiment, bon, nous, on n'est pas d'accord. Bon, voilà, vraiment, c'est triste la situation. Et puis on passe à autre chose. Et le Sénégal retombe encore dans les mêmes conneries d'avant. Donc nos frères, là, qui ont pris le pouvoir par les urnes, ils n'ont pas la Bon, même chose, la très façon bon, de merci. marcher. Oui. Je suis d'accord avec ton indignation. Il faut être clair, c'est un débat qui nous divise. C'est un débat qui nous divise. Moi-même, si tu veux, je suis à mi-chemin. Je me rappelle alors, ça m'influence, quand j'écoute des gens comme Banda Kani et d'autres qui ont l'habitude de faire des analyses puissantes, eux aussi m'influencent. Donc, qu'est-ce que moi je peux dire sur ce débat-là? On va clore la parenthèse. Je pense qu'ils n'ont pas encore fait un an au pouvoir, si je ne me trompe pas. Oui. Bon, à mon avis, laissons-les encore. Laissons au moins un an et demi. Moi, j'ai dit 24 mois. Moi, c'est ce que j'ai dit depuis le début. Laissons les 24 mois le temps de changer les institutions Voilà. et après, on verra. Voilà. Parce que, sincèrement, je comprends les uns et les autres. Parce que Sonko, le discours d'avant l'élection et le discours d'après l'élection, il y a eu une baisse brutale du niveau d'engagement. Ça, je comprends ceux qui sont choqués. Parce que son discours d'avant les élections et son ramollissement brutal, inattendu, après son élection, ça a fait naître un sentiment de un
d'étonnement, un sentiment d'étonnement. Donc, je peux comprendre les gens. Mais comme Bwakwasi l'a dit, ils n'ont pas encore fait un an. Ils n'ont pas encore fait un an. Patientons. Patientons un an, 2 ans. Et puis, on sera situé. Donc, pour revenir sur le thème de notre vidéo, on était en train de dire que en Afrique, c'est de nouvelles générations. Avec un nouveau contexte. Vous voyez, quand je dis de nouvelles générations, ça veut dire dans les pays africains, généralement, 70% des différentes populations des pays, 70% a à peu près moins de 30 ans ou bien moins de 35 ans. Donc, c'est de nouvelles générations, vous voyez, qui viennent avec leur époque qui est marquée par certaines choses précises. L'une des choses, c'est la génétique. Et on n'a pas idée de ce que c'est, mais les génétiques avec leur population, enfin, avec leur expansion, parce que quand Facebook venait, on n'était pas nombreux à avoir des comptes Facebook, on n'était pas nombreux à avoir la connexion. Petit à petit, la connexion est devenue quelque chose de courant. Donc, ça a commencé à changer les choses. On ne peut plus enlever un opposant et puis camoufler pendant un mois son lieu de détention. Non, l'information est rapide. Donc, je disais que la nouvelle génération, avec cette nouvelle époque marquée par les antiques, où beaucoup ont accès à Internet, les populations sont informées. Voilà. Et elles écoutent différents influenceurs. Des influenceurs qui nous font comprendre les vrais enjeux, qui font les vrais décryptages. Donc, les attentes sont différentes. Donc, on constate maintenant que on a une époque plus exigeante. L'opinion est plus exigeante. La preuve, quand un chef d'État africain va faire son contrôle de santé en France, mais dans les heures qui suivent, regardez la toile, l'indignation. Oui, mais qu'est-ce que vous... Ah, donc, vous ne mettez pas suffisamment d'hôpitaux chez vous, vous venez vous faire soigner, ça devient un sujet qui est relayé. Mais avant, on ne parlait pas de ça. Avant, il faut se lever, il faut faire son contrôle de santé. Tout le monde trouve que c'est normal. Avant, Ayadema Bongo, ils vont en France, ils se soignent. Tout le monde trouve que c'est normal. Mais maintenant, là, Oligui qui a remplacé Bongo, là, les gens n'ont qu'à apprendre qu'il est allé se faire changer les dents. Tout de suite, la toile va réagir. Donc, vous voyez, il y a une nouvelle génération qui vient avec de nouvelles exigences. Donc, face à cette génération-là, tu ne peux plus te présenter, tu ne peux plus venir solliciter leur suffrage avec les mêmes attitudes. On a une nouvelle génération qui est abreuvée à des informations de façon différente. Aujourd'hui, si la RTI ne veut pas dire quelque chose, mais je m'en vais écouter Niamsi, il va me dire ce qu'on ne veut pas me dire. Je m'en vais écouter Mouekassa, il va me dire ce qu'on ne veut pas me dire. Je m'en vais écouter Nathalie Yam, elle va me dire ce qu'on ne veut pas me dire. Si je veux m'informer sur le Mali, que la télévision officielle, je trouve que ceux-là, ils ne traitent pas la chose directement, je m'en vais écouter Sékou. Secoue le politologue et puis il me donne les trucs. Donc, l'opinion a changé. Les exigences sont plus fortes. Les attentes sont plus fortes. Donc, Bwakwasi et moi, on fait cette vidéo pour nous adresser aux leaders politiques. Vous qui voulez diriger le pays, vous qui vous adressez à votre jeunesse, sachez que c'est une génération qui arrive avec de nouvelles exigences. Vos manières de parler habituel, ça va plus marcher. Le joli français que vous parlez là, ça va plus prendre comme avant. Parce que actuellement, quand je regarde l'opinion africaine, on peut dire qu'il y a deux grandes préoccupations. Il y a deux grandes préoccupations. Il y a une partie de l'Afrique qui est confrontée à des problèmes sécuritaires. Donc ceux-là, il faut venir combattre les djihadistes. Ils n'ont pas besoin d'élections, ils n'ont pas besoin de chronogramme. Tout de suite, même si un enfant de 18 ans prend le pouvoir et puis il commence à dronifier, lancer des drones, tout le monde le soutient. Que d'abord, la sécurité. Il faut que du lever au coucher du soleil, tu sois sûr qu'on ne va pas venir t'attaquer, prendre tes récoltes, prendre ton bétail. Donc, il y a une partie des opinions qui ont une priorité sécuritaire.
C'est les gens du Sahel. L'autre partie de l'opinion n'a pas ce même problème de priorité Pour sécuritaire. le moment. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de problème. Non. Parce que dans cette partie-là, il y a beaucoup de candidats à l'immigration qui sont morts dans la mer. Donc ceux-là, concrètement, il faut leur donner à manger. Donc vos langages de croissance, de réforme, ça ne passe plus. Même Alassane Ouattara, qui a la meilleure communication, relayée par les meilleurs médias mondiaux, qui a la meilleure image dans la vitrine de la télévision, sa propre population ne reconnaît pas la croissance dans les assiettes. Donc c'est pour vous dire que il s'agit maintenant d'être concret. Quand vous approchez l'électorat, sachez parler, parce que très vite, on va voir ça en foutaise. On va voir ça en foutaise. Nous sommes face à une situation où les factures sont insupportables. Les centres de santé sont éloignés. Il y a les routes à Abidjan, mais à l'intérieur, ce n'est pas possible. Dès qu'il pleut, on a vu des images, des gens qui marchent carrément des centaines de mètres dans l'eau. Il y a un député qui était bloqué dans l'eau et Voilà. qui demandait aux jeunes villageois de le pousser. Et les jeunes villageois l'ont envoyé chier, comme on dit. Ils ont dit, non, Voilà. te pousse pas, démerde-toi. Démets-toi. Le prix du cacao à l'international, on a appris que ça avoisine les 12 000, c'est ça, non? 12 000 le kilo. Ouais. Je me trompe. Voilà. Le Cameroun qui est à côté là, on n'a pas dit qu'on se compare à eux. Ils ont les mêmes caractéristiques climatiques et démographiques que nous. Et ils ne sont pas mieux que nous. Ils payent 6 000 francs le kilo aux planteurs. Pourquoi nous, on ne peut pas payer au moins 3 000 francs? Donc, quand vous venez parler aux populations, là, je vous en prie, arrêtez les méthodes d'avant, là. Arrêtez les méthodes d'avant. D'abord, prouvez que vous êtes avec elles, donc vous ne supportez pas ce qu'elles vivent comme difficulté. Prouvez ça d'abord. Ce n'est pas le lieu de venir développer des concepts que non, il faut revoir, il faut créer une structure à l'effet de fixer les prix, de stabiliser les prix. Il faut faire en sorte que... Non, ça c'est du français. Ça c'est du français. D'abord, tu viens, tu pleures avec le paysan. Hein, excusez-moi, tu chies, tu dis non, c'est pas normal qu'on paye le cacao à 1 000 francs. C'est pas normal qu'on paye la noix de cajou à 200. D'abord, tu fais ça, il pense que tu es avec lui. Maintenant, quand tu vas arriver là, concrètement, faut plus venir parler français. Tu es là d'ici 8 mois là. Il doit sentir que le prix a monté. C'est comme ça. Donc, on va maintenant vers des choses plus concrètes. Des choses plus concrètes. Et puis, un discours plus clair. Il n'y a pas de dérobade. Les gens, ils Est-ce que... ont pris le pouvoir dans l'AES. Monsieur Tan, qu'est-ce que vous pensez? Non, je pense que, bon, il faut, le plus important, c'est de normaliser le plus tôt possible la situation, qu'ils nous donnent un chronogramme, tant, tant, tant. Mais ça, c'est une foutaise. Parce que combien de fois on n'a pas fait chronogramme? Combien de fois il n'y a pas eu alternance? Combien de fois il n'y a pas eu des élections? Mais le djihadisme a progressé. Donc, il faut dire qu'ils ont bien fait. Non, c'est vrai. Si tu ne peux pas dire ça, mon ami, cherche à manger ailleurs. Parce que même si tu prends le pouvoir, tu ne vas pas durer. Si on te demande qu'est-ce que tu penses de la situation de l'AES, si, quel que soit le politicien, même si tu es candidat au Togo, que tu es candidat au Ghana, tu es candidat en Sierra Leone, si on te demande qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe à l'AES, il faut dire qu'ils ont bien fait. Voilà. Parce Claire. que c'est d'arrêter les attaques d'abord. Maintenant, après, tu peux parler ton français. Toutefois, je souhaiterais que, passé le ratissage et la sécurisation, on passe à une normalisation. Voilà, ça là, ça vient en seconde position. On te sort Sinon, le dossier, ils ont bien d'urgence, fait. c'est de nettoyer. Voilà. Si on te demande, quel est ton commentaire sur, comment on appelle, comment tu trouves le programme, la gestion d'Alassane Ouattara? Mais il faut dire que c'est mauvais. Il C'est faut vrai. dire que c'est mauvais. Parce que la victoire à une Coupe d'Afrique, ce n'est pas un programme de gouvernement. La preuve,
Dès qu'ils ont fini de vous donner la victoire, ils vous ont déguerpi. Ça veut dire que leur but, ce n'est pas vos conditions. C'est leur image à eux. Ouais, d'abord, avant la Coupe d'Afrique, beaucoup d'enfants disparaissent, comme d'habitude. Ça veut dire que c'est une transaction mystique. En plus, on vous donne la Coupe d'Afrique. Vous êtes en train de jubiler. Vous n'avez pas fini de jubiler. On vient casser vos maisons. Donc, quand on te demande qu'est-ce que tu penses de la gestion de la salle, il faut dire que c'est insuffisant, c'est pas satisfaisant. Parce que tout ce qu'il a dit, il n'a pas fait. Tu ne vas pas te contenter des ponts. Non. Donc, voilà un peu le sujet de la vidéo de notre frère Bois Kouassi. On va vers des choses concrètes, des paroles claires, sans ambiguïté, des mots simples, précis, pour appeler le mal par son nom. Le chat, il s'appelle un chat. Faut pas dire un animal poilu, moustachu, qui miaule, à pas flétrer. On va dire que mon ami va te faire voir ailleurs. Faut pas dire non, il y a eu un déséquilibre dans les comptes constaté par la Cour des comptes. Donc il faut dire ils ont volé l'argent, ils n'ont qu'à rembourser. On va vers la clarification. Si tu ne peux pas parler droit comme Gbagbo, va te recycler. Même la maman Simone Gbagbo, on lui fait des reproches, mais regardez sur France 24. On lui a posé la question, mais elle a répondu. L'armée française, non, ils doivent partir. Le CFA, mais ça doit être. Il doit avoir été clair. Le système électoral, il est mauvais, clair. Comment on appelle la gouvernance Ouattara, elle n'est pas bonne, la preuve. Les produits sont mal payés, les factures ont augmenté, les dettes ont augmenté, le chômage. Il faut être clair. On vous demande d'être clair. Donc voilà un peu, c'est ce profil-là qu'on cherche. Des gens qui vont appeler les choses clairement et qui vont s'engager. Parce qu'il y a des manières de ne pas s'engager là. Des manières de ne pas. Et puis maintenant. Il y a une promotion des gens équilibrés sur les plateaux télé. Ils savent parler, mais ils fuient l'engagement. Ils disent tout, ils développent tout. Dès que ça ne dépasse pas Ouattara, il est inspiré. Oui, le ministre a fait ça, c'est contraire à la loi, tant, 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 tant. Mais dès qu'il faut endosser Ouattara, il fait un détour. Le professeur Dion Simplice, Sylvain André Konan, Assaleh Thiemoko. Voilà, on n'a plus besoin de ça. Après, vous allez dire que non, vous n'étiez pas libre, mon ami. Mon ami. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. Pendant combien de temps tu vas contourner les difficultés que quelqu'un y vit au quotidien? Non, désormais, c'est vers ça on va. Même si vous venez avec un langage équilibré et que malgré ça, avec vos appuis extérieurs, vous avez pu arriver à la présidence. Ça peut arriver, hein. Il y a multiples réalités. Tu vas arriver, mais tu ne peux pas faire deuxième mandat. Parce que ce que tu voulais contourner là, ça va se représenter devant toi de façon urgente. Parce que tu vas venir avec des appuis extérieurs. On est en politique, rien n'est gratuit. Les appuis extérieurs là, tu dois leur retourner l'ascenseur. L'ascenseur, c'est quoi? On n'a pas fait Sciences Po, mais c'est les grands contrats d'exploitation, les grands contrats de concession, concession Au d'électricité, détriment des populations, au voilà, détriment de des l'eau, populations. tout. Tu vas leur donner. Mais quand tu as fini de leur donner, là, tu vas m'expliquer avec quoi tu vas construire des centres de santé pour tout. Tu vas expliquer ça. Donc, ça ne sert à rien. Les révolutions à moitié, là, ça sera comme la révolution russe de 1917. Les Mensheviks sont venus. Non, le Tsar, il a un régime d'oppression. Ils ont pris. Eux-mêmes, on a dit que non, 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 non. Les Bolcheviks, nous les avons livrés. C'est ce qui est en train d'arriver. Hein. Ceux qui parlent à moitié, là. Ceux qui disent non, c'est vrai, mais on ne peut pas trop parler, là. Si vous arrivez, là, mais vous ne pourrez pas faire plus d'un mandat. Et même un mandat, là, c'est que Dieu vous a trop aimé. Hein. Après 2 ans, ce que vous avez voulu éviter, là, ça va revenir. Même si l'Assemblée nationale a 100% de vos députés, la toile va rebouillir. Donc vraiment, on vous demande pardon. Nous sommes dans un nouveau tournant.
Voilà. Les discours doivent être clairs, les dénonciations doivent être précises. Le français, les citations, ça doit être réduit. On te pose question, il faut être clair. On a augmenté les datas. C'est normal ou c'est pas normal? Les factures, on dit 10%, les gens constatent que c'est 50%. Prononce-toi. C'est normal ou c'est pas normal? Les supermarchés qui arrivent, les Carrefour et qui vendent le vivrier, qui font Et la concurrence à nos ils mamans, détruisent les marchés. qui font la concurrence de loyer à nos mamans. Qu'est-ce que tu dis? Tu es concerné ou tu n'es pas concerné? Parce que je vais passer la parole à Boua Kouassi, et souvent il m'avait fait ce développement. On a affaire à des gens, on a l'impression qu'ils ne sont pas imbibés dans nos réalités. Peut-être que c'est des gens qui n'ont jamais eu à gérer des finances délicates où il faut faire des calculs, où il faut éviter ça, où on est, parce que ça coûte trop cher, il faut faire attention à tous les choix. Eux, les choses viennent, ils ne font pas de calculs parce que ils ne Depuis gèrent son pas la nez, pénurie. depuis son nez, son dedans, ils n'ont Voilà. pas réfléchi à acheter du pain, acheter Voilà. un sac de riz. C'est pas le problème. Voilà. Donc, ils ne savent pas les petits calculs dans les détails que les gens font pour tenir jusqu'à la fin du mois. Non, 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 non. Maintenant, il faut être précis. Tous ceux qui ne seront pas précis, pour moi, ils ne vont pas faire long feu en politique. Hors jeu. Hors jeu. Ils ne vont pas faire long feu en politique. Parce que je vois des gens, bon, même notre frère Thiam, il a le carnet d'adresse. Il faut amener ton carnet d'adresse. Amen. On ne sait jamais, on n'a pas la science infuse. Peut-être que ça peut débloquer des étapes. Peut-être que ça peut débloquer des étapes. Mais arrivé un moment là, tu vas arriver à un carrefour là. On va te demander qu'est-ce que tu dis de ça. Si là, là, tu as encore parlé de carnet d'adresse, mon ami, on va te, comme disent les jeunes, on va te bra ou bien te bouer ou bien te biama ou bien je sais. En tout cas, tu vas sentir quelque chose. Et là, les choses vont te tomber dessus comme jamais tu ne l'as imaginé. Hein. Tu as déjà vu ce que Christian Pierre a commencé à faire sur toi. Moi-même, j'étais choqué. J'ai dit à Christian Pierre, pardon, faut, tu sais, le gars, il est choco, il est bien élevé. Et puis tu tombes sur lui comme ça. Quelqu'un m'a dit, oh, toi là, arrête tes conneries là. Ici, on n'est pas à l'église. Tu te fous de quelqu'un, il va te mettre un suppôt là où tu sais. Donc, tais-toi avec tes récriminations là. S'il méprise les gens, on lui a fait une riposte. Donc, on va vers ça. Il faut être précis, il faut être clair. Parce que maintenant, là, on n'est plus prêt à être influencé par des CV. Hein? On a grandi avant l'époque où tu es le seul bachelier de ton village ou bien tu es la seule licence du canton. Ça, là, ça, c'est fini. Tous ceux qui gèrent cabine, là, BTS même va les tuer. Master, 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 ça, c'est. Voilà. Les diplômes là, petit à petit, ça ne nous effraie plus. À Gomat, elle est professeure agrégée. Si tu prends n'importe qui, comment on appelle, PPACI, c'est rempli de doctorats. Mais regarde à Kengo. Voilà. Plein de doctorats par-ci, par-là. Les intellectuels là, on les a assez vus. Chacun est venu faire ce qu'il. Voilà, mais on a vu que non, ce n'est plus ça. Ce n'est plus. Ceux qui sont venus et qui ont convaincu. Là, mais ce n'est pas avec leur CV qu'ils ont convaincu, c'est pas leur CV. Regardez Ibrahim Traoré, 2 ans à la fac, en faculté de SVT, après l'école des officiers. Bon, si on veut donner une équivalence à son niveau maximum, peut-être qu'il a bac plus 3, mais il Licence. fait ce que le cœur du Burkinabé cherche. Ce gars-là, il risque de faire 15 ans au pouvoir. Moi-même, je suis même pas pour qu'il y ait élection là-bas. Moi non plus. Tellement c'est un diamant rare, je veux même pas même que. Non, non, non. Donc, bois quoi si. Voilà ce que je peux te dire. Je peux dire, je te fais la passe pour compléter ce tableau-là de ce qu'on demande. Avant maintenant qu'on ne parle, on rentre Tout maintenant dans un autre sujet, la coopération. oui. En tout Avec. cas, bravo. Bravo pour ta brillante, brillante analyse. Bravo pour vraiment le développement que tu viens de faire. Tu as été droit au but. C'est ça. Aujourd'hui, les nouveaux gouvernants qui cherchent à diriger nos pays africains dans le dynamisme du changement mondial. Ah, les gars, attachez vos kiwas. Soyez des gens courageux. Soyez des gens honnêtes, surtout. Parce que beaucoup de gens disent que oui, les politiciens sont des gens qui sont véreux, ce sont des gens qui sont malhonnêtes. C'est pas vrai. C'est pas vrai à 100%. C'est vrai pour certains,
Mais ce n'est pas vrai pour tous. Ceux qui sont honnêtes là, vous ne les regardez pas. Vous ne les regardez pas. Vous ne vous occupez pas d'eux parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas le carnet d'adresse. Ils n'ont pas l'influence, machin truc. Ils n'ont pas l'aspect que vous souhaitez voir, le choco en costume, machin truc, qui vient, qui parle bien et tout ça là. Des fois, ça peut être un paysan. Ça peut être quelqu'un même qui ne sait pas parler le français correctement, mais qui parle très bien son baoulé ou bien son koulango ou bien son koyaka ou bien son truc. Mais dans sa tête là, quand il pense, quand il réfléchit là, ces idées là, quand il les donne aux technocrates, les gars construisent le pays là, moins de 5 ans, tout le monde est content. Mais non, nous les Ivoiriens, on est habitués au choco. Non, il faut qu'on voit quelqu'un qui vient en costume joli, bien mignon là, les tempes grisonnantes ou bien truc. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ressemble à ce que le colon nous a donné, forcément, pour pouvoir plaire. Et puis, il faut connaître Henry Kissinger, faut connaître Bill Gates, faut connaître tant, faut faire photo avec eux, faut être parmi eux dans les grands meetings, dans les grands coins, faut que tu sois quelque part là-bas pour qu'on dise que oui, toi, tu es important. Toi, ouais, ah, tu peux faire le travail. Il faut que tu aies au moins 500 millions sur ton compte en banque, comme M. Ouattara dit, Draman, que oui, si tu n'as pas 200 millions sur ton compte, c'est que tu n'es pas crédible pour être à la présidence. Il a dit ça dans une vidéo, il a dit, la vidéo est là, éteinte. Il a dit ça, il faut avoir 200 millions. Mais est-ce que quelqu'un comme ça, il est normal quand il réfléchit là? Est-ce que c'est normal? Pour être président, tu dois aller voler, quoi. Si tu es un enfant de poignons, tu sors de la brousse, mais tu es intelligent, plus intelligent que tout le monde. Comme tu n'as pas 200 millions sur ton compte, tu ne peux pas venir diriger le pays. Ce n'est pas possible. Aide-moi des gens comme ça. Donc le voleur qui a 200 millions sur son compte là, qui a volé dans le gouvernement précédent, 2 milliards, comme il a 2 milliards, il peut venir se présenter. Lui, le voleur, là, lui peut être maintenant président et lui, il est solvable, il est parce qu'il a l'argent, quoi. Mais regardez des réflexions comme ça. Et vous pensez qu'un monsieur comme M. Dramani Ouattara, qui dit des choses comme ça de sa propre bouche, lui là, ses idées sont claires pour diriger un pays. Sincèrement, moi je regarde, je dis, ouh là, ça craint. Et je comprends pourquoi le pays est comme ça. Parce que quelqu'un qui pense comme ça, que c'est l'argent qui fait tout. L'argent est devenu le Dieu. L'argent, quand tu as l'argent, quel que soit ce que tu fais, on s'en fout. Mais si tu as l'argent qu'il faut là, tu peux être à la place où tu veux. Je suis désolé. Je suis désolé, mais moi je trouve ça vraiment bizarre, étrange. Et des gens comme ça, je ne peux pas leur faire confiance. Ce n'est pas possible. Parce qu'il n'y a plus de valeur. Il n'y a plus de valeur humaine. La valeur humaine. Parce qu'on dirait que les Ivoiriens, même, ils oublient tout ça. La valeur humaine. Les gars ne savent plus ce que c'est. L'empathie. Les gens ne savent plus ce que c'est. Et si tu n'as pas d'empathie en tant que chef, leader politique, envers les plus petits, les plus pauvres, les plus faibles, et que toi, tu justifies ta collaboration avec quelqu'un que sur la domination, l'écrasement, mais tu vaux rien. Tu es nul, tu vaux rien. Et puis en plus, ce qui me fait le plus rire, c'est que les Ivoiriens, là, si c'est pour aller à l'église et puis à la mosquée, là, ils sont comme ça. Maintenant, après l'église, l'église, depuis la mosquée, ce que vous avez appris là-bas, là, par rapport au livre sacré qu'on vous a dit, on vous a mis dans votre tête, là. Quand vous regardez maintenant des individus qui n'ont aucune empathie, c'est-à-dire que tout ce qu'ils font là, c'est contraire à ce qui est écrit dans vos livres. Parce qu'il y a le mensonge à la tête de ce qu'ils disent. Il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de compassion, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de. C'est-à-dire que tout est le contraire de ce qu'on vous dit dans vos religions, mais vous suivez ces gens-là. Moi, je ne sais pas, hein. Je ne sais pas quoi. Je me pose des questions s'il y a un problème psychologique ou s'il y a quelque chose qui ne va pas. Et je comprends pourquoi le pays est mélangé comme ça. Je comprends pourquoi le pays. Les gens disent, c'est bizarre. Non, ça ne va pas. Non, c'est comme ça. Je comprends parce qu'il y a des gens qui marchent. C'est-à-dire qu'ils vomissent et puis ils mangent leur vomi. Puis ils chient, ils marchent dans leur caca. Ils vivent dans le caca, là, ils sont dedans. Et puis ils sont contents. Ils vont se laver le soir, puis ils vont plonger encore dans le caca. C'est ça. Quand on ne gouverne pas avec des valeurs, valeurs, pourtant, Dieu sait combien de valeurs nous avons en Afrique, combien de valeurs nous avons en Côte d'Ivoire, des valeurs ancestrales
que même le blanc nous jalouse. Mais non, les gars vont aller prendre exemple sur des choses qui viennent de l'extérieur, en tête choco, en cravate bien jaune, conduire des voitures climatisées bien avec le chauffeur. On doit être dans un palais bien feutré, le volume partout. Il y a un goudron dans nos routes, comme la lumière dans nos goudrons. Il doit y avoir des lampadaires comme si on doit avoir les derniers parfaits, les derniers cris. On doit voyager, on doit aller ici, on doit causer avec telle personne dans le monde, être grand dirigeant dans le monde. Là, maintenant, on est chic, on est beau, on nous voit, on est important. Et puis, on nous badigeonne maintenant avec les honneurs et puis les hommages. On doit rendre hommage à telle personne. On doit rendre hommage ici. On va dépenser 200 millions pour rendre hommage à un individu dans le pays. Alors que les 200 millions, ça peut payer combien de couveuses pour soigner des enfants qui sont en détresse respiratoire tous les jours? Mais je ne sais pas quoi. C'est-à-dire que les gens, et puis des Ivoiriens, ils ont été à l'école, et ils sont assis dans des bureaux, ils signent des papiers importants, et puis ils suivent des gens comme ça. Ils suivent, j'ai dit, ils suivent comme des moutons des gens comme ça. Non, mais franchement, tout ça pourquoi? Parce qu'ils ont petit, ils ont leur petit dabali. Ils ont leur petit dabali à la fin du mois. Ils ont un compte en banque où l'argent rentre. Et puis, ils peuvent maintenant voyager toujours, envoyer leurs enfants partout à l'école comme ils veulent. Ils peuvent manger ce qu'ils veulent. Ils appellent le cuisinier, faire la nourriture et ceci. C'est-à-dire que leur petit confort personnel, ça va au-dessus de tout ce que le peuple souffre à l'intérieur du pays. Partout dans le pays, les gens dans les petits cantons, on est en train de tuer les baoulés dans un coin quelque part, dans des campements là-bas actuellement, pour les chasser à cause de l'affaire de terre et tout ça. Là, les gens sont pas au courant, hein. Mais c'est en train de la vidéo là depuis le 16. Les gars sont en train de faire des choses étranges à l'intérieur du pays. Mais ça dérange qui? Même les jeunes, on les a complètement momifiés. On a momifié leur cerveau là, avec la télévision, des émissions de télévision pour se distraire. Actuellement, où on doit apprendre? Mais c'est la distraction mis en avant. Et les gens sont d'accord. Quand tu parles, on dit tu es jaloux. Et les mêmes gars qui disent que tu es jaloux, là, pour la majorité se retrouve en prison un jour. Par rapport à quelque chose qu'ils ont fait ou bien qu'ils ont dit. Parce que dans leur tête, là, c'est caca qui est dedans. L'escroquerie, là, c'est devenu quelque chose de banal, de normal. Parce qu'à la tête même, il y a tas d'escrocs qui ont volé des milliards. On a dit leur nom, tout ça, là. Aucun en prison. Il n'y a aucun problème. Donc, les jeunes qui sont plus banals, ils vont voler, ils vont escroquer aussi. Et tant qu'ils peuvent, maintenant, il y a une justice qui est là, qui est par son bizarre. Il y en a qui sont... Vous voyez que dans les juges, là, il y en a plein qui sont corrompus. Mais il y en a deux ou trois dedans qui sont vraiment propres, mais ils ne peuvent pas parler. Et si tu parles, on va couper ton pain. Et le pays roule comme ça. Et le pays roule comme ça. Et les gens s'attendent à ce que celui qu'ils appellent Dieu là vienne les sauver, vienne changer les choses, vienne arranger les choses parce que le peuple mérite mieux, une vie meilleure. Un peuple qui est d'accord avec ces conneries là, il ne mérite pas une vie meilleure. Il mérite la souffrance dans laquelle il est maintenant. Tant que vous n'avez pas prendre conscience que il y a des valeurs que nous devons respecter. Surtout les gens qui donnent l'exemple à la tête, les élites là. C'est eux qui doivent mettre ces valeurs en exergue pour que la suite maintenant, en bas de la pyramide, ils puissent suivre aussi. Parce que si le président, ou bien le chef, ou bien le ministre, ou bien le directeur marche comme ça là, et c'est propre, c'est clair, c'est bien, là, c'est vraiment respectable, et bien les autres là sont obligés de faire la même chose. Mais non, mais si la tête vole, la tête s'en fout, la tête n'a pas pitié, la tête se promène, la tête fait n'importe quoi, ben, attendez, ceux qui sont, ben, ils vont faire quoi? Ils vont faire la même chose et ainsi de suite, et ça va de mal en pis. Donc les nouveaux chefs qui veulent venir, là, si tu es paysan, enfant de paysan, tu es pharmacien, tu es, je sais pas moi, tu es... professeur, tu as un métier normal, mais dans ta tête, là, tu es intelligent, tu es structuré, tu es bien, tu sais ce que tu veux pour ton pays. N'hésite pas à t'organiser. N'aie pas peur. Tu peux devenir ce que tu as envie de devenir, bien ce que tu peux faire pour le pays, te mettre au service de ton pays. Commencez déjà à vous parler entre vous, Ivoiriens. Commencez à vous regarder
à vous découvrir, à découvrir la valeur qu'il y a dans le voisin, dans les autres et tout ça. Là. Ou bien s'il n'y a pas de valeur, ne perdez pas votre temps. Mais cherchez les gens de valeur. Quand des gens de valeur vont commencer à se mettre ensemble, la première des choses qu'ils vont chercher, ce n'est pas chacun à être dominé l'autre. Non, c'est de faire d'abord une union, un groupe de personnes qui sont intelligentes, qui ont besoin d'être en groupe, d'être nombreux pour peser dans la balance. C'est quand maintenant, ensemble, ils vont former cette force qu'après, maintenant, ils vont chercher à prendre entre eux celui qui est le plus représentatif pour pouvoir maintenant aller à des élections, mais à quelque chose où maintenant, lui, maintenant, il va faire en sorte que tous ceux qui sont de valeur là vont monter maintenant au pouvoir et vont maintenant monter l'exemple à toute la population. Et ainsi de suite, la population maintenant va commencer à prendre « Ah, les gars, si les gars sont corrects, les gars ne volent pas, les gars, nous, on ne peut pas voler aussi. » Et ainsi de suite. Maintenant, celui qui vole à Joe, on t'a attrapé, on te met... Parce que les gens, ils sont tous des gens de valeur. Mais si vous avez des crabes, des scorpions, des scolopins, des choses, des vipères, des choses comme ça, qui sont en haut là-bas, mais qu'est-ce que le peuple va devenir? L'image de ce qui est en haut, mais en pire. C'est ça, on voit. Des gens, on coupe leur tête, on arrête les gens, on enlève leur sexe, on vous savez, les gens font n'importe ce que vous voyez à Bijan, là. C'est ça. C'est ça. Donc, vraiment, je vais m'arrêter sur ça. Et puis, Maître Zoukou va introduire le prochain volet. Les nouveaux qui veulent prendre le pouvoir, bien les ceux de maintenant qui veulent prendre le pouvoir, là, il faut être clair dans votre discours. Il faut montrer de la valeur, votre valeur, vos valeurs africaines que les Blancs n'ont pas. Montrez ça à vos populations, dans vos comportements, dans vos attitudes, dans tout ce que vous faites, dans vos discours. Montrez vos valeurs, expliquez, donnez votre parole d'honneur que vous allez respecter ce que vous dites. Que si on ne respecte pas, il faut même qu'il y ait même dans la nouvelle constitution, si tu te, qu'on écrive que si tu ne respectes pas ce que tu as dit pendant ta campagne, là, on te voilà. Si tu ne respectes pas ça, si tu n'as pas vraiment des explications claires pour dire que non, on n'a pas pu faire ça parce qu'on va faire ça tant, on te voilà. Il faut que les gens commencent maintenant à respecter leurs paroles. Parce que c'est trop facile de mentir aux gens, d'avoir le pouvoir, de s'entourer de militaires, et puis maintenant de faire souffrir les gens bêtement, parce que les gens t'ont fait confiance. Ça suffit. On veut des gens maintenant qui ont une parole d'honneur, et des gens qui disent les choses clairement, comme mon frère tout à l'heure, Zoukou les a décrits. Voilà. Donc, Maître Zoukou, voilà, il faut introduire l'autre partie. Merci beaucoup pour ton développement. La deuxième partie, c'est quelle approche, c'est, il faut que les gens expliquent l'approche, la coopération avec l'Occident. Pour nous, les anciennes colonies françaises, c'est le rapport avec la France. Voilà. Donc, ceux qui viennent solliciter l'adhésion des gens pour être président. Un, comme on l'a dit en première partie, il doit avoir un langage clair, dénoncer de façon précise les souffrances du peuple, et puis dire ce qu'il propose. Et puis deuxièmement, ils doivent clarifier leur rapport, leur approche des rapports avec la France, avec l'Occident. Voilà. Parce que il y a des mutations qui sont en cours. Et il y a la guerre des blocs qui a recommencé. Un moment, avec la chute de l'URSS, c'était les choses à sens unique. C'était les États-Unis, gendarmes du monde, qui étaient en roue libre, qui se permettaient pratiquement tout ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, il y a un pôle qui est en train de s'élever et qui essaie de rééquilibrer les choses, notamment les BRICS. Voilà. Et au niveau de ces BRICS-là, le point fort, le noyau dur, c'est la Russie. Donc aujourd'hui, nous ne sommes plus dans la même situation que dans les années 60, 70, 80. Voilà. Donc, il faut maintenant que ceux qui veulent nous diriger, ceux qui nous présentent leur offre politique, il faut qu'ils nous disent précisément le genre de rapport qu'ils veulent tisser avec la France et plus globalement avec l'Occident. Est-ce qu'on continue dans le partenariat d'avant? Est-ce que ce partenariat-là a des chances
d'améliorer les conditions des populations, ou bien il faut rompre brutalement. En tout cas, il faut que ceux qui veulent nous diriger demain clarifient leur position par rapport à la France et par rapport à l'Occident. Voilà. Donc voilà ce dont on va essentiellement parler dans la deuxième partie. Donc je te laisse et la parole. Tu vas nous dire, selon toi, est-ce que ce partenariat encore des chances d'offrir de bonnes conditions aux populations? Est-ce que les gens vont changer leur paradigme? La France va changer son paradigme pour que désormais elle se montre à l'écoute des messages, des cris, des révoltes des jeunes? Ou bien il n'y a plus à chercher même à appeler à la France, il faut la rupture, il faut se tourner à 100% vers la Russie, la Chine. Comment tu vois dans l'avenir notre rapport avec la France et l'Occident? Bon, déjà dans le présent, ce que je constate, c'est que la France est en perte de vitesse au niveau de son influence en Afrique et dans le monde. Mais quand je dis perte de vitesse, c'est vraiment perte de vitesse. Les gars sont en train de dégringoler d'une façon spectaculaire. Je ne sais pas si beaucoup de gens s'attendaient à ça, de cette façon aussi rapide, aussi et aussi facile, parce que quand les soldats français étaient au Mali, au Burkina et au Niger, il n'y a pas eu de combat pour que les troupes françaises partent, hein. Beaucoup de gens ont redouté ça. Quand Florence Parly disait qu'on ne quittera jamais le Mali, alors que Barkhane était là-bas avec 5 000 soldats français, beaucoup de gens n'ont pas cru. Beaucoup de gens étaient, waouh, les Maliens, ils comptent sur quoi même pour dire, les gars n'ont qu'à partir, puis ils vont partir. Et les médias français, plus les politiciens français disaient que sur les plateaux, ils rigolaient même. Ils vont nous faire partir comment? La finalité aujourd'hui, c'est quoi? Ils sont partis. Et jusqu'à aujourd'hui, ils l'ont là. Hein? On nous a chassés, c'est pas normal, machin truc. Mais est-ce qu'il y a eu un tir, un coup de feu? Il n'y a rien eu. Il n'y a eu que des échanges diplomatiques. Il n'y a eu que le droit et la loi qui ont fonctionné sur le territoire d'un pays qui est souverain. Yo, tu ne peux pas quitter ailleurs, venir faire ton malin là-bas. Ce n'est pas possible. Ça, là, dans la tête de beaucoup d'Africains, un pays tierce, parce qu'il est fort, peut venir faire la loi chez toi. Or, dans la réalité, non. Vous pouvez vous battre. Maintenant, c'est à l'issue de la bagarre que les gens, maintenant, à l'extérieur, vont dire, mais au fait, vous battez pourquoi? Mais toi-même, tu es venu faire quoi dans le pays des gens? Pourquoi tu es là? Pourquoi tu es en train d'attaquer? Ah, bon, donc tu attaques le petit là. Donc, moi, je vais défendre le petit maintenant. Et puis maintenant, le conflit commence à devenir autre chose, et ça devient autre chose, et ça devient autre chose. Voilà ce qui se passe en Ukraine actuellement. Je vous explique ça parce que si on n'explique pas les choses clairement, compartiment par compartiment, c'est difficile de comprendre dans la globalité. Ce qui se passe en Ukraine, c'est simple, hein. Quand les gens se sont partagés le monde après la Deuxième Guerre mondiale, les gens disent, Joe, moi j'ai mon secteur, toi tu as ton secteur. Donc dans mon secteur, là, je ne vais pas te voir là-bas. L'autre aussi, dans mon secteur, je ne vais pas te voir là-bas. C'est comme ça, les gars se sont entendus. Maintenant, quand le temps a commencé à passer, le temps a commencé à passer, il y a un clan là. Eux, ils disent qu'eux, ils vont aller maintenant un peu, rentrer dans le secteur de l'autre. Un peu, les gens n'ont rien dit. Un peu, les gens n'ont rien dit. Un peu, je dis, un peu, les gens disent, un peu, jusqu'à ce moment où les gars disent, c'est assez dépassé, ça a chauffé. Les gens n'ont pas écouté parce qu'ils se sont sentis forts, ils se sont sentis, parce qu'ils ont fait ça partout, ils ont gagné partout. Ils se sont dit, oh, les gars, même, ça sera une occasion pour nous de finir avec ces Russes-là. Oh, la ligne rouge, c'était l'Ukraine. L'Ukraine, ça fait la frontière avec la Russie. Ils ont dit qu'il faut pas avoir votre truc là ici. Et on a commencé à déposer. Les Russes se sont prévenus que non, 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 non. Non seulement vous êtes déposé, mais en plus, vous maltraitez maintenant la population russophone qui est dans le secteur. Le gars dit non, non, ne faites pas ça. Vous ne les écoutez pas. Vous allez continuer de faire ce que vous voulez. Les Russes ont réagi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le bloc atlantiste se joue les
victime pour dire que non, l'Ukraine, vraiment, c'est un pays souverain. Et puis la Russie s'est levée, ils les ont attaqués comme ça. Voilà ce qu'ils disent dans le narratif, dans les journaux, tout ça, dans leur, toute leur propagande qui donne là. L'Ukraine est un pays souverain que la Russie a attaqué délibérément comme ça, sans expliquer ce qui se passe en fait en bas depuis longtemps. Mais à un moment donné, là, quand les gars sont forts, là, ils s'en foutent, hein, surtout quand c'est leur droit, quand ils se sentent en danger, là, quand un lion se sent en danger, il attaque. Quand les gens se sentent en danger, ben, ils attaquent. Automatiquement, ils font en sorte que la menace la dégage. Quand la menace est partie, maintenant, les gars vivent tranquillement dans leur coin. Et c'est ce qu'ils ont fait en Ukraine. Et les pauvres peuples ukrainiens, ils sont au milieu de tout ça, qui n'ont pas décidé de façon politique, parce qu'il y a des zigotos comme Zelensky qui sont au milieu, qu'on a déposé là, pour faire ce sale boulot-là. Et bien voilà, les gens souffrent bêtement comme ça, à cause de la volonté de certaines personnes qui se disent qu'eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent aux gens, quand ils veulent, comme ils veulent, jusqu'à ce qu'on puisse les arrêter. Et voilà, maintenant, les gens les ont arrêtés en Ukraine. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. C'est un truc, c'est même pas compliqué. Maintenant, derrière ça, il y a les intérêts colossaux au niveau de l'argent, parce que les gars sont venus mettre leurs entreprises, les gars ont acheté des terres où ils font de la culture, machin, tout ça, qu'ils vendent dans le monde. Donc, il y a beaucoup de paramètres maintenant secondaires, mais qui sont financiers, qu'ils ont perdu. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas laisser, qu'ils veulent continuer à faire cette guerre-là en espérant affaiblir militairement la Russie, qui ne bouge pas d'un iota, parce que les gars se sont préparés il y a longtemps. Ils sont prêts. Ils sont... Oh. Les gens n'ont pas idée. Quand ils parlent de la Russie, on dirait qu'on parle de, je sais pas moi, d'un quartier, de, je sais pas, un truc. Non, les gars, c'est une puissance. Et c'est une puissance dans le sens où ils ont les mêmes armes que les autres, là. Mais ils n'ont pas les mêmes peuples. Ils n'ont pas les mêmes peuples. Le peuple russe est un peuple de guerriers. C'est un peuple de gars. S'il faut aller au charbon, là, alors ça ne leur dit rien, ça. Ça, c'est rien pour eux. C'est un peuple, si tu coupes courant, même en hiver, là, ils vont survivre. Parce qu'ils sont habitués à ça. C'est un peuple, si tu coupes l'eau, ils vont trouver un moyen de pouvoir survivre. Ça ne leur dit rien. Mais il faut couper le courant en France pendant une semaine. Vous allez voir. Il faut couper l'eau en France pendant une semaine. Vous allez voir ce qui va se passer. Il faut couper la chaîne de ravitaillement des supermarchés, là. Parce que les gens parlent de guerre. Les gars, guerre, là. Quand c'est la guerre qui commence, il n'y a plus courant, il n'y a plus l'eau. Il n'y a plus de ravitaillement dans les supermarchés. Il n'y a plus de médicaments dans la pharmacie. La vie normale que vous menez, c'est fini, c'est mort tout ça. Maintenant, c'est chacun pour soit dans son secteur, comment on va faire pour survivre avant même que les bombes arrivent. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous pensez que les Occidentaux là sont prêts à subir ça là? Les Russes, ils sont prêts à subir ça. Ils s'en foutent. Ils sont prêts. Et ils ne sont pas seuls. Parce que les Chinois qui sont à côté là, ils savent qu'après les Russes, ça sera eux. Donc, ils ne vont jamais laisser les Russes là se faire avoir par quelqu'un. Les Nord-Coréens, c'est la même chose. Les Iraniens, c'est la même chose. Tous les gars qui se sont organisés pour faire BRICS, là, c'est des gars, ils savent que si un d'eux tombe là, eux, ils vont tomber aussi. Donc, ils ne vont jamais se laisser. Et eux tous, aujourd'hui, sur le plan économique, sur le plan militaire, ils sont en train de monter en puissance. Ils n'ont plus rien à envier au bloc atlantiste sur le plan militaire stratégique. Eux tous, ils ont satellite. Ils ont même chose. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus fort que. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus quelqu'un que quelqu'un. Ça, c'est un. Maintenant, la grande différence, elle est où? Je vous dis. La grande différence, et ça, vous pouvez le noter, c'est dans la démographie. Si vous prenez les pays des BRICS, Chine, Inde, Russie, Brésil, Afrique du Sud, la population de ces pays-là, et puis maintenant, vous comparez à la population de l'Europe avec les États-Unis, ajoutez Australie, ajoutez la Nouvelle-Zélande, il n'y a pas match. Ou bien, faites le calcul, vous avez Google, vérifiez la population, le nombre de personnes, les consommateurs, ceux qui peuvent consommer quand on produit. Là. Le marché chinois, le marché indien, ces deux pays-là,
les milliards, 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 ils ont. Eux tous même, ils complètent totalement les restes des Atlantistes dans le marché. Donc, si tu fabriques quelque chose que tu vends chez eux là-bas, là. Vous voyez un peu. Et sur le plan technologique, dans la construction des voitures, de tous les téléphones et machins, là, en technologie, là, les gars ont rattrapé les Américains et tous les autres, là, jusqu'à dépasser même. Rien que la Chine. Téléphone. Huawei, ils sont. Les gars font des téléphones maintenant, c'est même pas. La technologie, télévision, frigo, je ne sais pas. Les choses qu'on consomme tous les jours, même voiture, même. Les gars sont défunts. Vous allez leur montrer quoi? Vous allez supprimer quoi? Qui n'ont pas, qui ne peuvent pas faire? Les gars peuvent tout faire. Donc, le monde est déjà paramétré pour que l'Occident qui dirigeait avant, là, il respecte les gens maintenant dans le monde entier, qu'ils fassent ces choses gentiment, tranquillement. Parce que leur chance, c'est que les gens comme les Russes et les Chinois, et les Africains d'ailleurs, ne sont pas des gens qui ont envie d'aller conquérir d'autres peuples, d'autres mondes, d'autres choses. Ce ne sont pas des gens comme ça. Ils sont tranquilles chez eux. Il ne faut pas les emmerder, c'est tout. Mais ceux qui avaient l'habitude d'aller conquérir, d'aller prendre, d'aller commander, d'aller diriger, d'aller dire qu'eux, ils sont tous là. C'est eux, maintenant, ils sont devenus petits, au fur et à mesure, ils sont en train de perdre en puissance et en force. Et ça ne va jamais revenir en arrière. Jamais. Je vous le dis aujourd'hui. Parce que c'est comme ça depuis la création du monde. Il y a un temps où on domine, il y a un temps où on devient petit. Et c'est comme ça, parmi les populations mondiales, c'est comme ça se passe. On est arrivé dans le temps où l'Occident est obligé de devenir maintenant tout petit et gentil. Ils sont obligés, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Donc quand je regarde maintenant des politiciens qui comptent sur les gens de l'Occident pour pouvoir venir être au pouvoir dans des coins où les gens aspirent à être libres, à être autonome, à être souverain, ça me fait sourire doucement. Parce que les populations qui souffrent en Inde et dans tous ces pays-là, c'est des gens qui ont envie de vivre aussi la vie que les Américains vivent, que les Anglais vivent, la vie décente normale, là. Eux tous ont envie de vivre une vie normale comme ça. Donc si le développement qui est en train de se faire dans le pays, les perspectives qu'on leur donne avec le milliard, les milliards de personnes qui peuvent consommer quand vous fabriquez quelque chose, mais vous pensez qu'ils vont aller où? Ils vont aller vers un vieux monde ou bien vers un nouveau monde qui leur offre des perspectives tranquillement, tranquille comme on dit. Le choix, il est vite fait. Donc la grande France qui aujourd'hui, avec ses politiciens surtout à la tête, ces énarques-là qui pensent qu'en héritage de leur papa qui ont fait souffrir nos parents, ils peuvent venir dans la continuité de ça, là. Ils se mettent le doigt dans l'œil, jusqu'au coude. Mais ils se blaguent. Les gars se blaguent. Parce que le problème n'est même plus les politiciens, le problème est les populations. Ce sont les populations. Et les populations qui sont informées sont très difficiles à manipuler. C'est plus comme avant. Aujourd'hui, là, vous n'avez pas vu que les gens, ils essaient de manipuler les populations de l'AES? Ouais, ils font tout pour que les Maliens se retournent contre Assimi. Ils font tout pour que les Burkinabés se retournent contre Traoré. Ils font tout pour que les Nigériens se retournent contre Tiani. Est-ce que ça fonctionne? TV5. Quoi, l'argent dans les valises diplomatiques, les trucs, les ONG, les gars, le même truc qu'ils ont fait là, ça ne prend plus. Les populations assises là, dès qu'on entend un petit bruit, tout le monde sort, ils envahissent tous les carrefours pour voir qui va venir faire quoi que ce soit. C'est fini ce temps-là, c'est mort. Donc les choses ne peuvent plus revenir en arrière. Les populations ont besoin de manger, les populations ont besoin de sécurité. Et quand maintenant, avec les informations, on sait qui sont derrière ces pseudo-terreaux, parce qu'il y a des preuves maintenant où les gens voient clair. Mais vous allez faire quoi maintenant pour essayer d'échanger? Et puis de quel pays vous allez aller vous asseoir pour faire vos bases, pour attaquer d'autres pays qui essaient de se débrouiller? De quel pays? À l'heure où les armées les plus puissantes du monde là, sont prêtes à aider les pays qui veulent se débrouiller. Le pays qui va accepter ça, là, il y aura la guerre chez lui. Est-ce que vous écoutez ce que j'ai dit là? Les pays africains qui vont héberger les gens qui vont essayer de déstabiliser les pays de l'AES, la guerre va venir les trouver chez eux. Notez bien ça. Et la France ne pourra rien faire. Est-ce que vous ne croyez pas?
avec les problèmes qui sont en train de venir en France, là, financiers surtout, la France ne pourra rien faire. Ils ne pourront rien faire. Et ça va même vous étonner qu'ils changent leur veste, parce qu'eux, ils sont spécialisés dans ça. Actuellement, ils sont en train de dire comment ils vont faire pour s'entendre maintenant avec la Russie. Avec tout ce qu'ils ont fait à la Russie, là. Ils cherchent maintenant à discuter avec les Russes et ne pas couper la corde pour redevenir encore des partenaires. Macron a fait un discours il n'y a même pas 2 jours sur ça. Tout ce que je suis en train de dire, là, le déclenchement de tout ça, ça va se passer dès que les élections aux États-Unis vont se finir. Et que si jamais Donald Trump prend le pouvoir aux États-Unis, déclenchement de tout ça en même temps. Les gens ont commencé à voir ça clair venir. Voilà pourquoi ils ont commencé maintenant à dire que oui, on va essayer d'être partenaire encore avec la Russie, parce qu'ils savent ce qui arrive si Donald Trump prend le pouvoir. Il va enlever ses soldats, il va enlever son argent, il va enlever tout ça pour aller s'occuper des États-Unis. Point. Le reste du monde, là, c'est plus leur problème. Vous allez vous débrouiller tout là-bas. Comme les gens savent ça, là. Ils commencent déjà à reprendre leur esprit et puis maintenant à reparler avec les Russes. Oh, les Russes, là, ils ont gros quai. Il y a des gens à qui tu peux faire des choses et puis après ils te pardonnent. Ce n'est pas les Africains qui sont toujours là en train de pardonner. Là. Et ils ne vont pas pardonner ça. Là. Et ils les ont prévenus depuis longtemps. Mais comme ils n'ont pas honte, là, ils vont essayer quand même. Mais ça va aller nulle part. Et c'est là que la décadence va commencer. Notez ça, écrivez. Notez ce que je vous dis là. Dès que Donald Trump prend le pouvoir aux États-Unis, la dégringolade va commencer. Donc, comme nous en Afrique, là, on est des gens pacifiques, on est des gens gentils, on est des gens, on pardonne. Les gouvernants français, leur seule chance, je dis bien leur seule chance de pouvoir s'en sortir, c'est de revenir gentiment, discuter avec les Africains d'égal à égal, dans le respect. Parce qu'on parle français encore. On a une histoire, on a des liens historiques avec la France encore. Et on a encore un cœur humain. On est dans la compassion. On est dans le pardon. Donc si les gens reviennent avec une meilleure disposition d'esprit, sans les foutaises, on peut encore faire des affaires sans problème. On n'a pas le problème avec les Français. On n'a pas le problème avec eux. Mais on a un problème avec leurs politiciens qui nous prennent pour des animaux. Là. On a un problème avec eux. Ils ont mis Bruno Retailleau, ministre de l'immigration, de quoi on appelle ça, de l'intérieur et tout ça là, non? Ce qui va montrer à nos frères africains en France, là, c'est qui. C'est-à-dire le mépris qu'ils vont. Et même à nos frères, même antillais et tout ça. C'est qui, avec les canards et tout, ce qu'ils vont faire. Ça, c'est eux qui voient. Mais dès que Donald Trump prend le pouvoir aux États-Unis, tout ça, ça finit. La seule chance de ces gens-là, c'est de, dans leur tête, là, revoir que l'homme noir, là, c'est un être humain aussi qui mérite le respect. Et ceux dont ils ont besoin pour faire tourner leurs usines, tout ça, c'est chez nous. Ils vont venir demander avec la politesse et maintenant, on va discuter et puis échanger, faire des échanges de bons procédés pour que chacun de nous, nos peuples, soient contents. Les choses d'avant, là, c'est mort, c'est fini. Donc, les gars qui veulent gouverner la Côte d'Ivoire aujourd'hui, bien les pays là, qui sont encore dans cette histoire de oufouettistes ou bien cette histoire de camarades en Occident qui vont m'aider à prendre le pouvoir, c'est blanc. On vous dit, ne vous fatiguez même pas. Ça vous fait bizarre, ça, vous allez avoir honte. Parce que je vous annonce déjà que s'il y a des élections en Côte d'Ivoire en 2025, ça va m'étonner. Vous le dis. Plus tard, je vous dirai pourquoi. Vous allez constater, vous allez voir. Parce que c'est qui est en train de se préparer là. C'est qui est en train de se préparer là. Si la Côte d'Ivoire ne change pas sa façon de faire les choses là, ah, ça ne sera pas bon à New Minded. Nous, on vous prévient. On vous prévient, on vous dit. Le monde change. Mais le monde change à une vitesse même. Le monde change. Un mois, je vous ai dit encore. Je crois que c'est les élections aux États-Unis, c'est quand, Maître Zoku? Bon. En novembre? Là, je ne suis pas sûr. Est-ce que vous pouvez nous dire les élections aux États-Unis, c'est quand? Il me semble que
C'est en novembre. Les gars, donnez-nous les trucs là, s'il vous plaît. Les élections aux États-Unis. C'est en novembre ou en décembre? J'attends les commentaires. Nanka nous dit c'est quand les élections? Le 4 novembre. Merci, Kramo Dick. Le 4 novembre. Le 5 novembre. Le résultat, le 5 novembre. Si Donald Trump passe. Parce que lui, je vous explique. Hein, je vous explique. Hein, Donald Trump, là, sa politique, là, c'est pas compliqué. Ce que Poutine a fait en Russie, là, et puis il a fait que la Russie est devenue aujourd'hui puissante, là, c'est ce que Donald Trump veut faire aux États-Unis aussi. Ramener tout aux États-Unis, et parce que c'est un nouveau pays. Les États-Unis ont à peine 200 ans. Les États-Unis, là, ils ont à peine 200 ans. Et puis leur territoire est encore vaste. Ils peuvent construire beaucoup de choses. Il y a de la place pour se développer. Il y a plein de choses qu'ils peuvent faire là-bas. C'est ce que Donald Trump veut faire. Ramener tout aux États-Unis et s'occuper des États-Unis. Ils sont fatigués. Lui, il est fatigué que les États-Unis s'occupent du monde entier. Il ne veut plus ça. C'est ce que les affairistes, les Obama, les Clinton, tous les gars, les Bush et consorts, tout leur clan des affairistes, machin, tout là, qui ont les affaires maintenant partout dans le monde. C'est ça, eux, ils craignent. C'est de ça, ils ont peur que Donald Trump passe. Et puis maintenant que leur société, leur truc, avec les soldats qui sont partout là, qui les protégeaient là, reviennent aux États-Unis. Ils ne veulent pas ça. Vous comprenez, non? Donc, je vous assure que c'est de là que tout va commencer. Vous voulez me croire? Tant mieux. Vous ne voulez pas me croire? Tant pis. Mais il faut noter ça. Vous allez voir clair. Il y a quelqu'un qui fait Sciences Po, qui est parmi les élites là, qui m'explique les choses et je comprends très bien et je vois bien. Et je vois ça clair comme une... C'est-à-dire que clair, ce n'est pas fait de devin. Ne venez pas dire demain que non, toi là, tiens, un fétiché ou bien t'es quoi. Non, 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 non. C'est l'étude. C'est l'étude. L'analyse. C'est une étude et puis une analyse de la géopolitique et de la géostratégie par rapport aux réalités du moment. Ce qui est en train de se passer. Par rapport aux forces qui sont en place. Les gars, ce n'est pas wawa. C'est par rapport aux forces qui sont en place et les moyens que vous avez. Et surtout par rapport au bon sens des populations qui souffrent, qui aspirent à avoir une vie meilleure, avec des populations qui sont petites comme ça, qui ont tout mangé, qui ont tout eu toute leur vie, et puis qui veulent encore manger sur les pauvres qui souffrent, mais qui sont plus nombreux. Ça ne passera plus. Parce que les pauvres qui souffrent, qui sont plus nombreux, maintenant, ils commencent à avoir la force nécessaire pour répondre à ceux qui sont peu nombreux. Voilà ce qui est en train de se dessiner devant nous. Au calme. Voilà pourquoi l'AES, là, c'est une réussite et ça ne va plus jamais revenir en arrière. Moi, je vous dis ça aujourd'hui. On est des contemporains de l'histoire. Ça ne va plus jamais revenir en arrière. AES, au contraire, ça va grossir. Ça va bien se multiplier et ça va aspirer d'autres pays de l'Afrique. Et ça va devenir maintenant des pays puissants qui vont pouvoir maintenant développer leur vie, leur population, comme les autres dans le monde entier. Tranquillement, au calme. Avec les partenaires qui voudront bien travailler avec eux. Point. C'est irréversible. Donc, quand vous voyez les politiciens, les poutistes de l'AES, et les poutistes, nous, ils nous font rire. C'est de vrais plaisantins même. Surtout, moi, je vous dis maintenant, hein, les gars qui sont en train de faire des vidéos, des panels, à n'en point finir à parler de ouais, les poutistes. Dès que la situation va changer après Trump, là, ils vont se cacher, eux tous. Ils vont rentrer en brousse, ils ne vont plus faire vidéo. Écrivez, vous allez voir. Ils vont rentrer en brousse, eux tous, parce que la majorité, ils sont payés pour. La majorité, ils sont payés pour dire des choses. Ce n'est pas leur cœur qui parle. C'est parce que quelqu'un les appelle pour dire, ah ça là, faut dire ça. Ah oui, d'accord, ok, tonton, j'ai compris. Bon, fais le virement. Et puis voilà, quand tu as reçu le virement, maintenant tu es obligé de parler des inepties, des bêtises, les assauts et les machins, tout ça. Leur groupe, vous allez voir. Quand leur patron, maintenant, vont Boribana, là, tous ces gars-là, ils vont fermer leur bouche, ils vont se cacher, ils vont comme ça, frôler les murs, là, comme on dit. Ils ne vont plus dire un mot parce que ce n'est pas leur cœur qui parle.
on leur dit de dire. Donc, vous qui voulez vraiment faire des choix, voilà, réfléchissez très bien avant de choisir. Regardez bien où vous allez. Regardez bien. Parce que maintenant, les gens sont très nerveux. Les gens sont très rancuniers. Il y a la VAR. Il y a la VAR. Les gars, il y a la VAR. Aujourd'hui, la vidéo, là, c'est enregistré. Les gens cadent. Le jour où un camp vient, un camp change. Là. Les gars sortent les vidéos. Toi, tu as dit ça de nous, tu as dit ça, tu as dit ça, tu as dit ça, va te faire foutre. Je vous le dis, ne vous amusez pas, ne pensez pas que l'homme est éternellement bête. Non. Il y a des gens qui prennent conscience et puis deviennent plus virulents, plus durs que nous qui parlons aujourd'hui. Là, et qui ne vont pas accepter certaines choses demain. Surtout la, de la part de ceux qui ont, les ont combattus sur les réseaux, sur la base du mensonge. Ah, c'est pour ça qu'il faut vous arranger pour dire la vérité toujours. Et si vous mentez sur les gens, ah, les gars, le jour, ils vont vous attraper, ils vont vous serrer. Vous allez comprendre, vous allez être des éternels, comment on appelle ça, exilés. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ce changement qui est en train de se faire. Je vous ai parlé de la démographie, où la puissance va du côté des BRICS, parce qu'il y a plus de monde là-bas. On va s'amuser à un jeu, si vous voulez, avec vous. On va faire un truc, un calcul rapide. Est-ce que quelqu'un peut me faire le calcul de la population de l'Europe, des États-Unis, et puis de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande? Je crois que c'est eux là qui sont dans le bloc des Atlantistes. Là. Est-ce que quelqu'un peut me dire la population de tous ces gens-là, s'il vous plaît? Et puis vous faites maintenant le calcul de la population de l'Inde, la Chine, la Russie, et puis l'Afrique. Sans compter le Brésil et les pays d'Amérique du Sud, là. La population des gens qui sont pauvres, qui ont envie d'avoir une vie meilleure. Faites le calcul, vous allez voir le poids des populations. Est-ce que vous pouvez faire ça, s'il vous plaît? Les commentaires, ça c'est bloqué à Awa ou Drago. René Caillé, je te salue en attendant que les gars fassent le calcul. Quelqu'un peut faire ça? Vous pouvez faire le calcul? Allez voir, parce que des fois on parle, mais les gens ne voient pas vraiment. Donc il faut qu'on leur montre vis-à-vis le poids des choses, de ce qu'on dit là. Il faut que les gens voient vraiment. Parce que la différence, c'est quoi? Le monde a toujours été comme ça, hein? Mais aujourd'hui là, ceux qui sont les plus nombreux là, ils ont les armes, ils ont le fer, ils ont les gens pour les défendre par rapport à avant. Mets au coup. Ton micro, s'il te plaît. Oui, oui, excusez, désolé. Comme tu parlais, j'étais en train de... Décalculer? J'étais coup d'œil. Voilà, j'étais coup d'œil sur les populations, là, Australie, Europe et tout. Bon, donc, je vais demander, comme j'ai la parole, je ne peux plus continuer. Donc, ceux qui nous suivent, s'il vous plaît, essayez de nous amener les chiffres. Population américaine, 333,3 millions. Voilà. Population européenne, européenne, 743 millions. Ok, rien que la population européenne ne moyenne pas la population chinoise. Bon, ok, maintenant dans la population européenne là, je ne sais pas si la Russie est comprise, parce que comme la Russie souvent ils jouent l'euro, l'euro, football euro là, souvent la Russie joue. Oui, comme Israël d'ailleurs. Comme faisant partie de... Bon, voilà. Donc, merci beaucoup, bravo pour ton développement. La deuxième partie de notre vidéo consiste à nous poser des questions, surtout des questions. On voit avec l'AES qu'il y a une nouvelle... il y a un nouveau genre de partenariat qui est promu avec l'AES. Pendant ce temps, nous, en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on va décider? Qu'est-ce qu'on va décider? On est avec Alassane Ouattara et tout le monde trouve qu'il a trop duré. Il y a les différents candidats. On parle de Laurent Gbagbo, Simone Gbagbo et tout. Il y a les différents candidats. Il y a aussi Thiam qui vient aussi avec une autre approche. Donc là, on se pose des questions. Voilà. On écoute les gens. Oui. C'est vrai, même si on aime notre pays, on ne peut pas tous avoir les mêmes idées. On ne peut pas tous avoir les mêmes approches. Voilà. Donc, j'écoute mes frères Thiamistes. Excusez-moi, mes frères Thiamistes. Je vous pile tout le temps, mais
Je garde de l'amour pour vous. Salutations à Jean-Yves Vaisseau, mon frangin, que j'aime, à qui je donne toujours le respect et l'admiration. Salutations au Tiamiste. Je vous pile, mais je dois vous piler. Si je ne vous pile pas, je vais piler qui? Donc, on va toujours vous piler, mais avec amour. Donc, ils développent une approche. Ils disent quoi? Étant donné que en 2015, n'a pas pu faire partie Ouattara à cause de l'appel de Daoukro. Bon, donc là, il n'y avait pas d'adversité. Donc, mettons ça de côté. Le FPI était complètement en déconfiture. Bédié appelé un deuxième mandat. Donc, Ouattara est resté en 2015. En 2020, quand il a essayé de rouler Bédié, on a tenté de faire quelque chose. Ça n'a pas réussi. 2025, concrètement, on ne voit pas qu'est-ce qui a changé dans le sens de nous donner un peu plus d'âme pour le faire partie. Donc, suivant cette idée-là, comme on n'arrive pas à le faire partie, comme en 2015, on a fait CNC, ça n'a pas donné grand-chose. 2020. Comme on a vu en 2020, on a fait désobéissance civile, CNT. Rapidement, dans les faits, ça a montré ses limites. La répression est féroce. Comme aujourd'hui, en 2024, on n'a rien de concret pour nous donner l'assurance d'une victoire. Donc, renonçons à nos pensées habituelles. Changeons un peu de fusil d'épaule, laissons Tiam va travailler, il a son carnet d'adresse, personne ne peut contraindre Ouattara à accepter des résultats justes, donc laissez Tiam. Là où Ouattara s'en va chercher son adoubement, là, lui il va aller là-bas. C'est-à-dire, là où il s'en va prendre ses parrains, là, lui il va aller prendre deux fois parrain là-bas. Donc mathématiquement, il faut être sérieux. C'est un raisonnement qui tient, mathématiquement. Je vais décevoir beaucoup de mes amis pro-Gbagbo. C'est un raisonnement qui tient, puisque en 2015, on a fait CNC, ça a montré les limites. En 2020, on a fait CNT, désobéissance civile, on a tenté, ça a montré ses limites. Et qu'actuellement, dans les faits, il n'y a rien de concret qui va nous dire qu'on a les moyens de lui faire admettre les résultats. Donc, on ne voit pas. Comme on ne voit rien de concret, laissons le petit, il va essayer à son carnet d'adresse. Donc je dis que mathématiquement, c'est un raisonnement valable. Voilà. Mais maintenant, c'est là où la question se pose pour la deuxième partie de notre vidéo. Est-ce une raison pour donner de la validité, pour apporter foi à ceux qui disent, laissons le Tiam fait son truc, que pour le moment, par réalisme, c'est eux qui ont la main sur la Côte d'Ivoire. Donc il faut aller doucement avec eux. Il faut aller doucement, doucement. On va enlever Ouattara d'abord et le reste, on va gérer. C'est-à-dire, selon cette approche, oui, c'est vrai. On sait qu'il y a les bases militaires. Nous, les Tiamistes, on n'est pas moins ivoiriens, moins patriotes que vous. On sait. Ça nous gêne. Mais ça y est là. Gbagbo a essayé de jouer les durs, ils l'ont boué et puis la base est toujours là. On a essayé de dire on ne veut pas ONU ici. Ils sont partis quand eux-mêmes ils ont décidé et puis rien n'a chauffé. Donc la base, nous tous, ça nous fatigue. Le CFA, oui, ça a été pris par décret en 1945, c'est un décret français, on sait. Mais là où on est là, on n'a pas les moyens d'imposer rapport de force pour les faire. Pour dégager cette monnaie et dégager les bases. Donc, allons doucement. Laissez Tiam va venir à son carnet d'adresse. Même si c'est en connexion ou bien en partenariat avec Macron, Christine Lagarde, Hillary Clinton. Prenons ça d'abord. Tiam, ce n'est pas un mal gars, ce n'est pas un maudit. Il est conscient que son pays est dans une situation difficile. C'est parce qu'il est conscient qu'il préfère choisis la voie la moins coûteuse. Donc, laissez-le, il va faire son truc avec son carnet d'adresse, avec ses relations dans les hauts lieux de décision. Et puis, on va enlever Ouattara. Une fois qu'on a enlevé Ouattara là, le reste, on va voir. Donc, il y a encore une opinion, je ne sais pas quel est son pourcentage, qui dit que non,
Gardons les contacts avec l'Occident. Un peu, on va enlever Ouattara, le reste, on va voir. Donc, la deuxième partie de la vidéo a pour objet de se poser cette question-là. Est-ce que c'est une approche valable? Est-ce que c'est une approche fiable? Est-ce que cette approche-là est raisonnable? Donc, moi, je ne veux pas cracher sur mes amis Tiamis, Jean-Yves Vaisseau. Je te salue. C'est une approche, c'est une façon aussi d'éviter trop de dégâts. Voilà. Donc, Thiam n'a qu'à venir, de toute façon. On suppose, Thiam, il ne peut pas être pire que Ouattara. Ce que Ouattara a fait en termes d'emprisonnement, en termes de Gbaka vert, là, on ne sait pas si Thiam peut avoir ce même cœur-là de dépasser les limites. Nous, on ne pense pas. Donc, s'il peut venir, bon. Mais ce qu'on craint, c'est que un contexte où, regardez comment ils se débattent pour ne pas perdre le Mali. Regardez comment ils ont mis toutes leurs forces à Tizawatène. 4 000 djihadistes sélectionnés partout dans le monde. Parce que quand moi je me suis informé, les cyberactivistes maliens qui nous ont donné les décryptages, parmi les 4 000, il y avait plusieurs centaines d'Ivoiriens, plusieurs centaines de Sud-Américains, plusieurs centaines d'Algériens. Donc, ils ont fait une nébuleuse multinationale, rien que pour ne pas quitter le Mali. Donc, quelqu'un qu'on a chassé de tes pays, de chez les voisins, et qui met toutes les forces les plus terroristes là pour revenir. Bon, tu vas encore t'appuyer sur lui pour chasser Ouattara? Je ne sais pas si vous voyez un peu. Des gens, ils sont derrière ceux qui en deuil. Parce que c'est vrai, Burkinabé, Malien, ils nous ont énervés, ils ont soutenu la rébellion. Moi-même, vos mots d'hier, je vous insulte. Bon, quand j'ai fini de dire ça, je vous ai pardonné. Vous avez soutenu la rébellion. C'est vrai, vous nous avez énervés. Bon, maintenant, vous regrettez. Donc, on peut se comprendre à nouveau. C'est nos frères. Quelqu'un qui allait les endeuiller, on leur dit de partir. Et ils tentent un dernier coup pour les endeuiller. Tu ne vas pas t'appuyer sur eux pour t'aider à venir au pouvoir. Qu'est-ce qu'eux, ils vont te réserver après? Sais pas, c'est un peu moi mon raisonnement. Tu vois? Bon, tu peux négocier avec eux, hein? Avec les réseaux, les pays de l'OTAN. Bon, on peut négocier avec eux, comme Blaise Compaoré l'avait fait. Il s'entendait avec eux, hein? Il donnait des gages aux djihadistes. Ouais? Il jouait le gars, le médiateur dans tous les conflits. Mais c'était lui le centre d'organisation des djihadistes. Il faisait la paix avec eux pour ne pas être attaqué. Il a fait cette configuration-là. Mais à la longue, qu'est-ce que son pays est devenu? Parce que c'est ça. Hein? Et on voit qu'ils font tout pour ne pas quitter l'AES. Donc, toi qui t'entends avec eux pour arriver au pays en Côte d'Ivoire, le même raisonnement mathématique m'amène à dire que si ils viennent dealer avec toi pour te mettre au pouvoir, c'est qu'ils vont créer les conditions pour que plus jamais la Côte d'Ivoire ne leur échappe. Parce que façon l'AES leur a échappé et puis ça leur a fait mal. Si tu t'en vas les recontacter pour enlever Ouattara, mais c'est toi, ils vont tourner en bourrique. Sur les champs, ils vont dire que non, on a compris. Non, on a quand même compris. On est né après la Deuxième Guerre mondiale. On ne va pas refaire les mêmes choses des Foka. Non, on a compris quand même. On est déjà cultivés. Mais quel coup fourré ils vont te faire après? C'est ça le problème. Parce que quand on voit la douleur avec laquelle ils ont ressenti leur départ, et puis la manière dont ils veulent revenir par toutes sortes de coalitions terroristes, quand on voit ça, est-ce qu'il faut encore s'allier à eux? Parce que ça leur fait mal de perdre l'AES. Donc, par un raisonnement mathématique, ils vont tout faire pour ne plus perdre le reste. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Le Bénin, reste, le Togo. voilà. Pour. Le reste qui reste. Pardonnez-moi ce langage. Ils disent que non, le Niger, le Burkina, leur apportent peu dans le PIB français. Mais quand on voit la rage avec laquelle vous faites tout pour reprendre pied là-bas, qu'on doit encore s'associer à des gens pour faire partie Ouattara.
Parce que, logiquement, dans le raisonnement mathématique, si 1, 2, 3 m'ont échappé, ceux qui restent là, je vais mettre un système, un flocon pour ne plus que jamais ils m'échappent. Parce que c'est ça la prochaine étape. C'est ça. Oh, tu ne peux pas compter C'est ça le sur ces calcul. gens-là pour t'aider à venir au pouvoir. Mais ce que tu dis là, ce que tu dis là, ça correspond à ce que le général français l'a dit. Oui, Ça correspond exactement. le castre ou bien quoi? Voilà. On va venir, on va mettre les gens maintenant en civil et puis on va surveiller le port, on va prendre telle partie, on va faire ça. Il regarde, nous explique. Hein? Et toi Voilà. maintenant, tu as venu t'associer à ces gens-là pour venir Voilà. mettre la population ivoirienne dans leurs mains, quoi. Tu vois. Donc, le grand Otiam, revenons, parce que c'est pas simple, hein. Là où on va, là, c'est pas simple. Il faut s'asseoir et puis voir les différentes éventualités. Donc, c'est ce bavardage qu'on fait. Donc, le grand Otiam, Tidjam Boigny Tiam, tu peux faire ce truc-là, tu peux faire cette manœuvre. Si tu fais cette manœuvre et tu arrives au pouvoir, on va pas cracher dessus. On va jubiler parce que Ouattara est parti. Quelle sera la suite? C'est ça. Mais dans tous les cas, si tu fais et puis Ouattara s'en va, non, on va prendre, c'est bon à prendre. C'est bon à prendre, on va prendre. Mais quelle sera la suite? Parce qu'après, il ne faut pas être le pion central pour retarder la libération des autres. Tu vois, ça ne sert à rien de faire comme Kagame. Tu donnes la prospérité à ton peuple, mais au prix d'une entente avec l'Occident qui met la pagaille chez les pays voisins. Voilà. Parce que c'est ça, nous tous là, on est d'accord. Kagame a redressé le Rwanda. Mais de quelle façon ici est pris? Sur S'entendre avec la l'Occident, mettre, excusez-moi, le désordre aux Haïti, piller les richesses là-bas et puis venir mettre son peuple à l'aise. Bon, demain là, comme on dit tout l'Est, comme José, une politologue, chanteuse politologue, elle dit que tout l'Est. Donc un jour là, tout va laisser Kagame. Ce qu'il prenait au Congo là, il ne pourra plus prendre. En ce moment-là, comment il va s'arranger? Parce que tu vas venir avec l'aide de la France-Afrique. Ils sont forts dans la communication. Ils vont mettre les chaînes BFM, oh Tidjane, un président qui augure une nouvelle ère, un profil qui fait le consensus. Ils vont mettre tout ça là même. Mais Abidjan même là, ils vont mettre des immeubles en verre, tout, 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 tout. Mais ça sera un truc pour s'opposer à l'AES, pour bloquer Exactement. la libération des autres pays qui ont compris. Est-ce qu'on va encore jouer ce rôle-là? Déjà qu'au niveau de la guerre du Biafra, on avait une main bizarre dedans. Peut-être que Oufouet n'avait pas le seul étau brisé. Il était obligé. Bon. Déjà que on a eu un rôle un peu suspect dans la disparition de Sankara. Bon. Vous allez encore faire jouer ce rôle à la Côte d'Ivoire? Est-ce que ça vaut le coup? Sous prétexte qu'on ne veut pas trop d'affrontements, on ne veut pas affronter le pouvoir, alors il faut prendre des voies qui doucement, doucement vont nous amener dans la traîtrise des autres Africains. Est-ce que ça vaut le coup? Parce que quand on prend le cas de Kagame, c'est un truc semblable. Il a amélioré les Ah conditions de son pays, mais oui. à Mec quel a fait prix? de la merde dans le pays des autres. À quel prix? Au prix de la trahison de la mère patrie. Ouais. Donc, il y a d'abord ça. Et puis ensuite, deuxièmement, ces gens-là, vous êtes sûr que vous pouvez les amener à faire gagnant-gagnant les contrats? Vous êtes sûr que ceux-là, ils vont accepter? Moi, je ne maîtrise pas l'économie, mais je me renseigne un peu. Bouygues, Bolloré, Canal plus. Areva, c'est des gens insatiables. Insatiables. Si ils étaient capables de se contenter de peu, ils auraient négocié, ils seraient restés au Niger, on ne les aurait pas chassés comme ça. On ne les aurait pas chassés du Mali. Mais c'est parce qu'ils veulent tout pour eux seuls. Et même ce que j'ai
appris, même pendant les bombardements de la présidence en Côte d'Ivoire, on dit les gens continuent à négocier avec Gbagbo. Ils continuent à négocier avec Gbagbo. C'est parce que Gbagbo. Donc, c'est pour dire que quoi? C'est vrai. Même si tu n'aimes pas Palap, un moment là, pour avoir ta liberté, tu es obligé de te battre. Aller t'entraîner, apprendre à te battre pour faire le combat. Voilà. Préférer un peu celui qui veut te provoquer tous les Tu jours. n'as pas le choix. N'as pas le Donc, choix. cette manière de fignoler pour dire que non, bon, allons doucement, évitons. Est-ce que c'est tenable dans la durée? Mais pour compléter ce que tu dis là, pour compléter ce que tu dis là, il y Oui. a une question qu'on n'a pas posée, hein. Est-ce que l'AES qui est en train de s'armer, de se surarmer, l'AES qui est en train de se blinder militairement là, va laisser la Côte d'Ivoire les menacer? Bonne arrivée. Ah, merci. Merci. Vous pose la question à vous, mes frères, qui êtes en train de regarder la vidéo. Oui. Est-ce que l'AES, qui est en train de se surarmer, s'entraîner, qui a tous les renseignements militaires, qui est en train de se blinder, va laisser la Côte d'Ivoire être une menace pour eux? Je vous pose la question. Peut-être qu'il faut pas. Peut-être qu'il faut prendre à partir de 100 euros. Est-ce que quelqu'un peut commenter, s'il vous plaît? Et c'est à partir de 20 euros. J'ai posé une question, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez répondre? Je prends une troisième fois. Est-ce que l'AES, qui est en train de se surarmer actuellement, s'entraîner, se blinder, avoir des vrais rapports avec les gens qui sont puissants dans le monde aujourd'hui, là, vont laisser la Côte d'Ivoire être une menace pour leur quiétude? Est-ce que vous êtes sûr qu'on aura la paix? Ah, voilà Roche Gabo qui a dit à un moment donné, l'AES sera obligée de réagir. Un frère qui vient de donner son avis clairement. Bravo, merci au moins pour ton courage. Merci pour ton intervention. Maintenant, j'attends s'il y a une autre personne qui peut nous Ouais. dire quelque chose. Est-ce que l'AES va laisser la Côte d'Ivoire être une base arrière pour les déstabiliser? Ah, plus personne ne peut écrire. Je comprends pas, hein? Les gars, question. Merci Roger Cabot pour ton courage. C'est pas évident, là, l'AES va défendre son territoire. Non, c'est même pas son territoire. Ça dit que les gars, ils sont en train de se préparer à attaquer l'AES. Est-ce que l'AES va rester là à attendre seulement qu'on les attaque? Ah, merci Roche Gabo. L'analyse est claire. Guy Mignon dit tout juste de petites représailles sans Voilà. toutefois blâmer les populations peut être visé directement les positions militaires en Côte d'Ivoire. Ouais, ça c'est le minimum. Mais si les gars visent les positions militaires là, ça veut dire que le pouvoir de Côte d'Ivoire peut changer à tout moment. C'est de ça qu'il Donc, s'agit en fait. vous voyez, d'abord la posture, entre guillemets, hein, la posture un peu pro-occidentale, même ça, si ça résout un petit problème, ça veut dire, quand j'appelle résoudre petit problème, si ça peut nous permettre d'éviter rapport de force avec Ouattara, chasser Ouattara sans engager des actions de rue, si ça peut nous permettre ça, mais ça te fait éviter un caillou, peut-être pour te faire cogner une brique. Voilà, parce que c'est ça, les Français, là, n'est pas des spécialistes de politique internationale, mais la façon dont ils ont quitté l'AES, mais ils vont tout faire pour ne plus qu'un autre pays leur échappe. Bon, mettons ça de côté. Ça, on parle des aspects sécuritaires. À supposer que Bouygues, Bolloré et tous ceux-là, ils comprennent. Ils ont vu qu'il y a les nouvelles générations, le contrat peut plus être comme avant, on va faire du 50-50 gagnant-gagnant. À supposer qu'ils aient compris. Mais la vie, c'est une continuité. On dit qu'on n'arrête pas le progrès. Ça veut dire que quoi? Même
S'ils font 50-50 là, quand tu es lancé pour ta renaissance, quand tu es lancé pour faire de ton pays un pays souverain, quand tu es lancé pour changer les conditions de tes populations, mais tu adoptes toutes les démarches qui vont te permettre d'y parvenir. Donc, même si on fait 50-50, À un moment l'intérêt bien donné, compris, l'intérêt bien compris par les nouvelles générations, la nécessité d'industrialiser, de transformer nos matières premières sur place. Que les gens vont aller dans leur fair play jusqu'à permettre que ça se fasse sur nos terres, l'industrialisation, la transformation? Parce qu'ils vont te donner l'impression qu'ils ont lâché du lest, ils ont desserré. Maintenant, il ne faut pas toi penser qu'ils ont desserré pour de bon. Pourquoi Non. tu dois tranquille? Ils peuvent reculer pour mieux sauter. Rappelez-vous le coup que Sarkozy a joué à Gbagbo. Chirac vient, il détruit les avions, il bombarde les aéronefs au sol. Gbagbo lance en 2007 l'accord de Ouaga. Sarkozy arrive au pouvoir, je crois, en 2007. Sarkozy endosse l'accord de Ouaga. Qu'est-ce que Gbagbo dit? Gbagbo dit, ah, depuis que Sarkozy est là, je dors mieux. Avec Chirac, c'était compliqué, je dors mieux. Mais qu'est-ce que Sarkozy lui a réservé après? Des Donc, années ça plus tard, veut dire trois que, ans plus tard, 3 ans trois ans plus plus tard. tard, ça veut dire que si tout se présente bien au départ, ça ne veut pas dire que ça va continuer comme ça. Rappelez-vous, bon, ça, ce n'est pas à vous de vous rappeler, je me rappelle quelque chose qu'un doyen m'aurait dit. On dit, quand Oufouet, déjà à son niveau, il a commencé à construire, à faire des écoles, vraiment faire des choses pour l'avenir, et que jusqu'à arriver en Côte d'Ivoire, et que Oufouet lui a fait visiter ça. Voilà comment je prépare l'avenir, voilà les effets de ma politique. Yamoussoukro, les constructions, les écoles d'élite, tout, tout, tout. Au lieu de voir en Giscard quelqu'un qui a compris sa vision du développement, qui, au nom de notre vieille amitié, était prêt à nous accompagner, parce que nous, on n'a pas fait l'affrontement comme Sékou Touré, mais on dit que jusqu'à aller dire en France que ah, ce gars-là, il voit trop loin. Hein? Si on le laisse aller jusqu'au bout, Ils peut-être vont qu'il nous peut, échapper. il va nous échapper. Donc, je Donc, veux ils vont dire créer que, la crise de 1980. voilà. Donc, je veux dire que il n'y a pas un argument, il n'y a pas un raisonnement qui tient jusqu'au bout, qui te permette d'être sûr. Parce que quoi qu'on fasse, on commence à comprendre. On est instruit, on s'informe. On commence à comprendre que la détention de sa propre monnaie, l'industrialisation, il n'y a pas d'autre voie. On commence à comprendre. Donc, même si au début, il te donne des gages, non, bon, d'abord même le CFA, là, il y a une partie qui n'est plus gérée, d'après ce que les spécialistes disent, hein, son fonctionnement a changé. Tout ne se décide plus à Paris. Donc, si vous voulez, on est presque dans une monnaie qui nous appartient à moitié. Le CFA de l'Afrique centrale, là, c'est le nom qui est resté, sinon ce n'est plus géré par Paris. Et au niveau de l'Afrique de l'Ouest, le mécanisme de fonctionnement, il a changé. Il n'est plus 100% régi par Paris. Mais ceux qui pressent les billets, là, c'est Paris. Voilà. C'est toujours imprimé à Paris, mais le fonctionnement n'est plus sous le pouvoir discrétionnaire de Paris, d'après ce qu'on dit. Je veux Tu mets dire des que gens, tu mets des gens à ta solde pour gérer, c'est pareil, voilà. hein. Prenons les raisonnements de nos frères Tiamis. À supposer que doucement, doucement, on joue le jeu avec eux, on arrive au pouvoir. Bon. Est-ce que vous êtes sûr que eux-là, ils seront fair play jusqu'au bout? C'est-à-dire te permettre d'arriver à un moment de créer toi-même ta monnaie et puis de lancer ton industrialisation. Est-ce que vous êtes sûr que. Parce que ce n'est pas la façon dont il va commencer au début là. Ce n'est pas ça qui compte. Faut imaginer ses calculs. Ce n'est pas ce qu'on dit qui compte, mais c'est ce qu'on ne dit pas. Donc, je fais une digression. Si tu as l'habitude de te contenter de ce que les gens disent, mais tu es le gros gaou, tu es un gros immature. Tu n'es pas différent
de comment on appelle, bébé sans os de main, dans ta naïveté. Ne vous contentez pas de ce que les gens disent. Imaginez ce qu'ils ne disent pas. On est des adultes. Quand tu vas aborder une fille, tes premiers contacts là, tu ne dis pas ce que tu veux. Vraiment dans ta tête. Voilà. Tu dis oui, mais vraiment, oui, j'ai vu qu'on avait. Oui, j'ai découvert que j'avais une collègue là qui, elle aussi, donc, oui, elle a une qualification. Non, 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 de temps en temps, je vais vous solliciter pour avoir des éclairages, tout, tout, tout. Ou bien, tu dis pas directement, je vous aime. Ah, mademoiselle, ah, bonjour. Je Mais vous grais, je vous grais. vous habitez ici? C'est-à-dire, même si tu as de bonnes intentions, c'est-à-dire, même si ton intention, ce n'est pas mougoupan. C'est pas pour gré et puis s'arrêter là. Non. Tes intentions sont plus sérieuses que ça. Mais dans ta première approche, tu ne dévoiles pas ça. Alors, première intention est toujours grès, mon frère. Non, je veux dire que on ne sait jamais. Parce qu'on ne va pas ramener tout le monde dans le même panier. Il peut se trouver que quelqu'un, il dit que bon, il faut que j'ai une relation sérieuse. Il faut que je fasse du sérieux. Il Oui. est temps que. Ça peut arriver dans la vie, hein. Après avoir poitoulisé, excusez-moi, jusqu'à il est fatigué, il dit, bon, il faut que je me casse. Et il a une collègue qui a l'air d'avoir le profil. Même s'il veut faire du sérieux, les premières approches, là, il ne va pas montrer son intention. Même s'il lui dit, je vous aime, il va dire que non, il n'est pas sérieux. Comment on vient, et puis il me dit, à peine il me dit qu'il m'aime. Elle ne va même pas te prendre au sérieux, même si elle est contente. Elle va dire, oh, c'est trop facile. Donc, je veux dire que ce n'est pas ce qu'on dit qui compte, mais c'est ce qu'on ne dit pas. Quand on sait que Gérard Helmut, je ne sais pas si c'est Helmut Kohl ou bien quoi là, il avait dit il ne faut surtout pas que l'Afrique s'industrialise. Il Quel avait dit Nicole. ça. Helmut Kohl. Quand on sait qu'il y a des hommes d'État qui avaient dit la Chine nous a surpris, il ne faudrait pas qu'on laisse l'Afrique nous surprendre. Supprime. Quand on sait que les câbles Wikileaks, dans ces câbles, là, ça a dévoilé les mails d'Hillary Clinton qui a donné les vraies raisons de l'assassinat de Kadhafi. Il voulait faire une monnaie qui allait faire de l'ombre au dollar. Tu vas encore croire que ces gens-là sont capables de te laisser fair play jusqu'à tu vas créer ta monnaie puis tu vas t'industrialiser? Donc, c'est une manière de dire que c'est vrai, on aime la paix. Mais même pour la paix, il y a des combats, va te préparer, t'entraîner pour les mener. Il y a des combats que tu ne peux pas éviter. Ouais. Vois? Parce que tu vas faire ça là. Dans les premiers mois, dans les 2 premières années de ta gouvernance, toi qui allais les contacter pour te mettre au pouvoir là, ils vont jouer le jeu. Mais après là, ce qui va sortir là, tu vois, Payer l'addition. c'est comme quelqu'un, c'est comme De Gaulle. Ouais, De Gaulle qui veut changer de teint. Et son nom, elle veut changer de teint. Mais il y a des méthodes radicales. Au Déjavel, 24 heures, 48 heures, elle a même teint qu'un François Hollande. Et puis l'autre va progressivement. Entre les deux là, qui abîme sa santé? C'est-à-dire, toi qui as cru à l'effet, aux vertus de ce produit brutal là, tu dis non, 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 bon, tu as. C'est que ça va te réserver après. Par rapport à lui qui dit que non, ce qui est sûr, tôt ou tard, ça va me créer des problèmes. Donc, autant aller, je suis conscient et puis je vais doucement. Mais en étant bien conscient, elle va doucement, doucement, doucement. Elle va avoir moins de conséquences désagréables que toi qui as trop cru au produit. Non, je vais faire, il n'y a rien. Mais ça va te créer des problèmes plus graves, ton ignorance là. Tu as trop grande confiance, tu dois te dire que non, c'est trop facile. Que mon teint change en 2 jours sans qu'il y ait des conséquences. Tu dois te dire ça. C'est-à-dire, il faut que tu te méfies de ce qui est trop facile. Ils vont venir, ils dealent avec toi, ils t'aident à enlever Ouattara, et puis, par la suite, ils vont te laisser créer ta monnaie et lancer ton industrialisation. Est-ce que ce n'est pas trop facile? Tu vois? Bon, maintenant, tu viens, tu deals avec eux, ils t'aident à enlever Ouattara. Ouattara n'est plus là, on n'emprisonne pas tant, tant, tant. La moindre des choses là, c'est de leur donner les contrats. Une fois qu'ils Ça paye sont mis l'addition. là, est-ce que tu es sûr que tu pourras faire 50-50?
Tu vas améliorer la part de la Côte d'Ivoire. Les contrats pétroliers, c'était, je crois, 80 et puis 20. Ils peuvent te laisser 12, améliorer peut-être jusqu'à. 12 pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Ils peuvent te laisser améliorer jusqu'à 30% et ils vont prendre 70%. Ils peuvent te laisser, on ne sait jamais. Tu vois? Toi, ton pétrole. Voilà. Mais les 30% là, avec l'accroissement de la population, avec l'augmentation des diplômés sur le terrain, Tu pourras pas. ça va devenir insuffisant. Vous voyez? De la même façon que Oufouet, il a construit des écoles, il a construit des centres de santé, mais l'augmentation de la population a rendu ça insuffisant. Donc, n'importe comment, quel que soit le bout par lequel on prend le problème, on se retrouve devant la muraille occidentale qu'il faut s'arranger à démolir. Si tu ne veux pas commencer à démolir demain, si tu ne veux pas commencer à trouver une stratégie pour démolir ça maintenant, ça t'attend demain. Peut-être qu'avec un mur encore plus bétonné et plus haut. Donc, voilà, c'est pour nous dire que quoi, finalement, les manœuvres pour continuer une collaboration rusée avec l'Occident, cette manœuvre-là, mais ça ne donne, à long terme, ça ne présage rien de bon. Passera pas. Au contraire, il faut profiter du fait que Poutine est encore en vie. Voilà. Donc voilà Et puis même pourquoi. la jeunesse n'est plus patiente. La jeunesse n'est plus patiente. Les gens sont plus patients. C'est fini ça. C'est terminé. Veulent tout et maintenant. Donc, Là, mes chers amis, à mon niveau, je pense que on a fini. on a dit l'essentiel. Peut-être qu'on va se retrouver pour une autre vidéo qui va aborder un autre aspect. Je ne sais pas, peut-être que là, sur le champ, peut-être qu'il y a une idée qui te vient en tête pour la prochaine vidéo. Ouais, Voilà. on verra, on verra, on verra. On va Voilà, en parler en privé tout à l'heure. on va en parler en privé. Mais moi, déjà, je peux lancer un premier jet. Voilà, c'est les élections qui approchent. Il y a eu la déclaration de Benoît, l'appel de Benoît par Gbagbo, et puis ensuite la signature du document de Benoît encore. Peut-être qu'on va donner la lecture que nous en faisons et tout. Vraiment, merci de nous avoir suivis, chers frères. Merci pour l'intérêt, les mots d'encouragement à notre égard. Je vais laisser la parole à Bois Kouassi pour son mot de fin. Ouais, merci, hein, on a fini. On se retrouve dans une autre vidéo pour plus tard. Et puis, bonne soirée à vous. Et puis, méditez par rapport à tout ce qu'on a dit. Quand vous allez écouter la vidéo, méditez par rapport à tout ce qu'on a dit. Faites vos recherches, surtout par rapport au poids des puissances qui sont en conflit actuellement. Vous allez voir, il n'y a pas de match. Il n'y a pas de match. Donc, faites bien vos choix. Je suis Bois Kouassi. Peace.